Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est encore dommage que nous n'avons pas une sonorisation assez cohérente. Pour l'instant, on va faire avec. Je demanderai à l'équipe de Josué de voir un peu au niveau des témoignages, d'enregistrer un peu les témoignages de l'Europe, s'il vous plaît, afin qu'avant que le papa passe, tout seul. Chers fidèles, chers amis, je dirais compatriotes, mais puisque nous sommes unis dans le même esprit, je dirais chrétien, parce que nous partageons la même culture, que la culture chrétienne, la culture de la voix de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai l'honneur de vous introduire la personne donc, que nous attendions, qui vient d'arriver. Notre père spirituel. Je vous dis, nous avons droit et devoir d'avoir un père. Parce qu'un chrétien qui n'a pas de père, il n'a pas de repère, il se perd. Et notre père vient d'arriver. J'ai l'honneur de vous présenter l'homme de Dieu, le prophète Joël Crassé. De Paris. Et cette église rassemble deux groupes, plutôt quatre groupes de familles. Une famille a droit à une semaine pour organiser un enfer à la famille. Est-ce qu'on peut acclamer la famille Jésus? Afin de pouvoir bien mener cette œuvre. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est la famille Josué qui était chargée de la décoration. Nous sommes en train de vous noter hein, la décoration et quoi d'autre encore, la tenue et tout ça. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer la famille Josué? Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse. Le dimanche dernier, c'était la famille. Israël, se tient debout, Israël, est-ce qu'on peut voir les...
peuple d'Israël, les bénis de Dieu. Alléluia. La semaine prochaine, ce sera la famille Caleb. Non. Caleb n'est pas mon pasteur. On a commencé par Israël. On a commencé par. Est-ce que la famille Caleb. Ça, c'est la famille. C'est la famille Caleb. Amen. Et après la famille Caleb, nous avons la famille. Est-ce que Abraham est là? Nous sommes une famille. L'Église, c'est l'ensemble de tous les croyants. L'Église, c'est l'ensemble de tous les croyants. Dieu nous a mis à cœur, n'est-ce pas, d'organiser cette église de la sorte. Nous sommes inspirés du livre de Exode, le chapitre 18. On va voir un Jéthro qui part, qui est le père de qui? C'est le père de qui? Séphora. Non, son beau-père. De Séphora, hein, le beau-père de Moïse qui part, n'est-ce pas, rencontrer Moïse avec sa femme, la femme Séphora et ses deux enfants. Il part de Madian. Et le Madian actuel, c'est ce qu'on appelle Éthiopie. Et la Bible déclare que c'était le sacrificateur de Madian. Amen. Il part rencontrer son beau-père arrivé. Il voyait que son beau-père s'épuisait. Moïse était tellement épuisé en train de juger le peuple. Du matin jusqu'au soir. Un homme expérimenté qui était dit, mais attends, tu t'épuises, reste tranquille, établis des gens, cherche des familles, et toi tu peux être là pour résoudre les grands problèmes. Donc on s'est inspiré de ce passage de Exode 18 afin de pouvoir, n'est-ce pas, former les différentes familles au niveau de l'Église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et comme il y a, n'est-ce pas, quatre dimanches dans le mois, et donc chaque famille oublié de gérer un dimanche, et une certaine semaine. Cette semaine, j'étais la famille Jésus. Et on a eu rencontré Jésus le vendredi, on a partagé beaucoup de choses. Parce que chaque famille doit connaître l'historique de ce nom. Qu'est-ce qu'était Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait? Hein? On a eu à discuter sur beaucoup de choses, on aura l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure. Et ça pour vous pousser, vous amener à une autre dimension, n'est-ce pas, de lecture de la parole de Dieu. Parce que si vous voulez grandir dans une église, il faut s'imprégner de la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est tout. Ce qui fait grandir dans une église, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Nous constituons des familles afin de pouvoir mener les gens à lire la parole de Dieu. Ça va, Costa Rica? Ça va? Mais soyez bénis, frère, Costa Rica. Ceux de Londres, soyez bénis. Amen. Amen. Voilà, donc on a commencé les études bibliques comme ça tous les vendredis. On essaie de parler un peu de l'histoire de Jésus, de l'histoire de Jésus et tout ça. Pour ceux qui ne sont pas encore. Dans une famille, c'est pour une occasion d'insérer une famille. Nous sommes en train de régler certaines choses. En fait, de pouvoir commencer à faire des visites pour pouvoir vous suivre. Et ça, c'est vraiment très important parce que la chrétienté, l'Église, c'est le suivi. Dans un ministère, on peut venir recevoir une délivrance, une restauration quelque part. Mais l'Église, c'est une question de suivi. Si on ne vous suit pas, vous ne deviendrez jamais des grandes familles, des véritables chrétiens du moins. Et c'est cela que chaque famille a créé. On essaie de créer un groupe. Il y a des secrets que je ne vais pas livrer, mais pas que les gens ne s'inspirent de nos choses. Bah, tout ce qu'on est en direct, donc il y a des choses que je ne vais pas dire, mais on est constitué en famille. Donc chacun sait de régler en fonction de la vision du père spirituel, communiquer la vision dans chaque famille pour qu'on ait une même vision. Amen. Amen. Voilà, et ça nous fait du bien. Ils ont déjà commencé à comprendre beaucoup de choses. Ils ont commencé à comprendre. On a vu Abraham et Israël. A commencé à comprendre l'histoire. Ah non, c'est comme ça Israël. Oui, parce que comment le nom d'Israël est venu. Ils ont commencé à comprendre. Ah non, c'est comme ça. Il s'appelait Jacob. De Jacob, il est devenu Israël. Parce qu'il a. Il a fait quoi? Il a combattu. Il a combattu avec Dieu. Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et on découvrait le talent de la sœur. Voilà, amen. On découvrait le talent de la sœur qui nous bénisse, la famille
Israël, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie davantage. Et on a toujours besoin de mettre la main dans la main pour s'entraider. Et ça, c'est beaucoup très important pour le ministère. La Bible dit que vous qui êtes faibles, soutenez. Vous qui êtes forts, soutenez les faibles au fur et à mesure. Et chaque semaine, on va essayer, n'est-ce pas, de régler les problèmes comme ça. Et au fur et à mesure, on aura l'occasion de pouvoir prier pour vous, vous rendre visite, vous soutenir, pour qu'on puisse être un, ayant la même vision. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Acclamer Jésus plus fort. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus plus fort? Oh,
le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons fait la famille Josué. Qui représente Josué? Nous allons parler de Josué. C'est qui Josué? L'histoire de Josué. Prenez le micro. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Veuillez vous asseoir. Avec les versets bibliques à l'appui. Allô, il faut qu'il y ait les versets pour nous édifier. Les Anglais, bonne arrivée à Paris. Que Dieu bénisse. Alléluia. Amen. Nous sommes de la famille Josué. Mais ça, on sait. Non, je commence. Une introduction. Et là, nous allons vous parler de la vie de Josué. Parce que nous avons étudié sur Josué, nous allons parler de la vie de Josué. Qui était Josué? Oui, d'accord, qui était Josué, vas-y. D'abord, Josué, il a pour père Noun. Et il est né en Égypte antique. Ensuite, depuis sa tendre enfance, depuis l'âge de 20 ans, il était collaborateur de Moïse. Donc très longtemps, il était à côté de Moïse, et il apprenait la vie de Dieu à côté de Moïse. Et donc, Moïse l'a remarqué dans son courage, dans sa fidélité, dans sa loyauté. Et quand on l'a mené au combat, il se faisait remarquer par son courage et son dynamisme. Il était une fois allé à un combat avec les Amalécites. Et là, il s'est fait remarquer par son courage et sa vigueur. Alors, on a dû l'appeler, Moïse a dû lui donner le nom de Osée ce jour-là. Donc, on l'appelait Osée. Et comme il était efficace, c'est que Dieu a demandé à Moïse d'aller à Caen, de lui prendre la terre promise, qui est Cana. Alors Moïse, il a choisi une personne dans chaque famille. Il y avait 12 familles. Donc il a choisi une personne de chaque famille, ça veut dire 12 personnes. Il avait choisi pour aller explorer Cana et venir lui faire le rapport pour savoir s'il peut aller attaquer Cana, conquérir Cana. Et les 12 familles sont allées. Et quand ils sont revenus pour faire le rapport à Moïse, il y a eu 10 de ces 12 qui ont fait un rapport un peu alarmant. C'est-à-dire qu'ils ont dit que la population de Cana était très organisée, ils étaient assez forts. Donc, eux, ils n'allaient pas pouvoir conquérir. Donc, ils ont dit ça. Et quand les Israéliens ont entendu cela, ils ont pris peur. Ils ont dit, ah, déjà nous avons souffert en Égypte, nous avons encore souffert dans le désert. Voilà que Moïse veut nous conduire à Canaan où nous allons être défaits. Et on va tuer tous nos hommes et faire de nos femmes des prisonnières et nos enfants des prisonniers. Alors ils se sont révoltés, ils ont dit donc, eux ne voulaient pas aller. Ils ont même dit qu'ils voulaient changer de chef afin de retourner en Égypte, que ce serait mieux de retourner en Égypte. Alors, dans le groupe, il y a eu 2 personnes qui avaient foi en Dieu, parce que Dieu avait promis qu'il leur avait promis Canaan. Donc, eux, ils avaient la foi que quand Dieu promet, il exécute. Amen. Ça mérite une acclamation quand même. Amen. En l'occurrence, ces 2 personnes, c'était Josué et Caleb. Et donc, quand Josué et Caleb, bon, Josué a dit cela, la population n'était pas d'accord. Les Israéliens n'étaient toujours pas d'accord. Ils ont même voulu tuer ces 2-là. Ils ont dit, ah non, si c'est ça, on va, voilà. Donc, ils ont tenté de les tuer, mais bon, après Moïse, il s'est un peu indigné de ce comportement. Mais après, bon, il les a supportés, tout et tout. Et ça a mis Dieu en colère. Dieu dit, mais ces gens, ils ne se souviennent pas que c'est moi qui les ai sauvés de l'Égypte. Ils ont déjà oublié que pour qu'ils sortent de l'Égypte, il a fallu que j'intervienne. Donc, ils n'ont pas la foi en moi, alors ils ne croyaient pas en moi. Donc,
ces gens-là, ils vont tous mourir dans le désert. Je vais les faire errer dans le désert pendant 40 ans. Et quand toute cette génération va partir, il n'y aura que Josué et Caleb qui vont pouvoir voir Canaan. Donc voilà comment... Donc voilà comment Josué et Caleb ont été choisis par Dieu pour pouvoir aller à cause de leur foi. Donc je disais tout à l'heure que Josué, il s'appelait Osée lorsqu'il avait fait le premier combat contre les Amalécites. Ensuite, lorsque Moïse devait l'envoyer à Cana, et quand il attribuait les noms à chaque famille, il a dit, bon, Josué, au lieu de t'appeler Osée, je change ton nom en Josué, qui voulait dire, il est le vainqueur. Donc voilà comment, de Osée, il a eu le nom Josué. Et après, Dieu s'est énervé aussi contre Moïse, parce que Dieu s'est rappelé que dans le désert, lorsque les Égyptiens, ils avaient soif, les Juifs avaient soif, et que ils ont commencé à se plaindre, Dieu a visité Moïse pour lui dire, voilà une grotte là, va parler à la grotte et l'eau va couler. Et comme il était énervé parce que sa population l'avait mis en boule, l'avait mis en colère, et au lieu de parler à la grotte, il est allé taper la grotte. Donc, ça c'était un acte de désobéissance pour Dieu. Mais néanmoins, l'eau est sortie. Mais ça, c'est un acte de désobéissance. Et donc, pour ça, Dieu a dit, Moïse aussi n'ira pas à Canaan. Et comme il a dit à Moïse, tu n'iras pas à Canaan, Moïse a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, mais il faut que tu désignes une personne qui va me remplacer, parce que sinon, tes brebis n'auront pas de berger. Ouais. C'est ainsi que Moïse ayant dit cela à Dieu. Il l'encourager avant de le Seigneur. Mais il est efficace. Amen. Très efficace. Amen. Vous acclamez le Seigneur pour ça. Moïse ayant dit ça à Dieu, Dieu a dit, ok, je t'exécute, mais je choisis Josué. Donc il faut le bénir, il faut le oint, c'est lui qui va te remplacer. C'est ainsi que Moïse a fait ce qu'il fallait faire, et donc Josué a été choisi, et donc il est écouté maintenant par le peuple israélite. Alors Josué, maintenant c'est le règne de Josué. Quand Moïse est mort, Dieu a dit à Josué, lève-toi et va vers le pays que je t'ai promis, et que j'ai promis à tes ancêtres. Alors, Josué s'est levé, il est parti, mais avant de partir, il a envoyé deux envoyés, il a choisi deux personnes qui sont allées explorer d'abord Jéricho. Ceux-là sont allés. Mais vous savez, Jéricho est encerclé. C'est comme une forteresse. Mais néanmoins, ils sont allés là-bas. Heureusement qu'ils ont trouvé une dame là-bas, une prostituée qui s'appelait Anna, donc qui a protégé, qui a caché les envoyés de Josué, de sorte que... On dit que Dieu peut même utiliser n'importe qui pour faire sa volonté. Amen. Amen. Donc quand ils sont revenus, ils ont fait le rapport à Josué, et ensuite, Josué a pris sa troupe et ils sont partis. Mais avant de partir, Dieu a donné des instructions. Est-ce qu'il faut comprendre, quand Dieu donne des instructions, il faut les respecter. Donc il a donné des instructions à Josué. Et donc Josué a écouté ces instructions et il est parti. Il leur a dit de faire 6 tours de Jéricho. C'était encerclé, donc ils ne savaient pas comment faire. Donc il leur a dit de faire 6 tours, un tour par jour. Donc ça faisait pendant 6 jours.
Et le septième jour, il leur a dit de faire 7 fois le tour. Et les murailles vont se briser. Ce qui a été fait, et ça a été fait comme ça, les murailles sont brisées. Et donc, ils sont rentrés à Jéricho. Mais dans les instructions de Dieu aussi, il fallait qu'ils détruisent tout ce qu'ils allaient trouver là-bas. C'est-à-dire, tout était voué à la destruction. Il ne fallait rien voler. Ça, c'était les instructions strictes de Dieu. Okay. Qu'est-ce que vous retenez de Josué? Qu'est-ce que vous nous dites de Josué? Josué, moi je crois que Josué a une foi inébranlable. Il croit vraiment. Josué a une foi inébranlable. Et c'est cette foi qui fait qu'il est toujours victorieux dans ce qu'il fait. Parce qu'il écoute exactement les instructions que Dieu lui donne. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu à partir de la vie de Josué? Qu'est-ce que vous pouvez communiquer comme message au peuple de Dieu? Moi, ce que je peux communiquer au peuple de Dieu, je leur demande de la foi. Qu'ils aient la foi dans tout ce qu'ils font. La foi de Jésus, c'est ça? La foi de Jésus. Voilà, qu'ils aient la foi de Jésus. Qu'ils aient la foi. Pas calmer le Seigneur. Voilà. Plus fort. Il s'agit de Jésus et sa foi. Et là, il s'agit de Jésus. Donc, il faut qu'on ait la foi de Jésus. Voilà. Et le nom veut dire quoi, Jésus? Jésus veut dire, il est le sauveur. Ce monsieur peut être un bon prédicateur. Est-ce qu'on peut être le Seigneur? Donc, en définitive, Josué, il a réussi sa mission, en fait. Donc, il a réussi à établir chaque peuple, les 12 tribus, dans chaque pays. Et donc, la promesse de Dieu a été accomplie. Amen. En conclusion, quoi, ce qu'il voulait dire. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. C'est vrai que ce n'est pas un habitué du micro, mais il s'est débrouillé. Il m'a personnellement épaté, c'est ça. Ça prouve qu'il a quand même touché la parole de Dieu, il allait un peu très loin. J'aimerais qu'il fasse sortir des versets. C'était un peu quelque chose, nous a laissé un peu sur nos soifs. Parce que quand tu as affaire à un peuple de Dieu, il faut de temps en temps balancer les versets bibliques. Et je pense que c'est un peu l'erreur, parce que ce n'est pas une histoire comme ça, il s'agit de la Bible. Et quand tu veux exhorter un peuple de Dieu sans verset biblique, c'est déjà une erreur très grave. Vous comprenez? Voilà, c'est une erreur. Quand vous touchez, le fait est ressorti. Déjà, c'est déjà bon dans l'ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Ce monsieur, il a une histoire. Famille musulmane comme ma famille. C'est la première église. C'est la première fois où on met la pierre d'église, c'est chez nous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et moi qui m'a personnellement épaté, vous savez, c'est ça. Moi, la première chose qui m'a intéressé, c'est la parole de Dieu. Allez même prier de la parole de Dieu. Quand je discute une personne qui ne sait pas ce que la Bible dit, déjà, je ne peux plus aller loin avec toi dans les discussions. Parce qu'on ne peut pas, se baser sur un raisonnement humain. Notre boussole à nous, c'est la parole de Dieu. Donc, l'objectif qu'on veut atteindre dans chaque famille, c'est de vous imprégner de la parole. Amen. Est-ce qu'on dit amen? Amen. On peut dire amen? Amen. On va, pendant que la famille Jésus est là, je vais déranger un peu la famille Jésus. Parce qu'on a l'impression qu'il est en train de gagner des choses. Vous êtes en train de gagner des choses. Quel est le passage? N'est-ce pas? Donne-nous un passage sur lequel Dieu a demandé à Josué de s'appuyer. Quel est le verset sur lequel Dieu a demandé à Josué? Donne-nous un passage dans tout le livre de Josué qui servait de boussole à Josué. Quel est le verset? Donne-moi ce verset. Le chapitre et le verset. Famille Josué, où est-ce que vous voulez choisir? Je choisis quelqu'un parmi vous. Mais non, puisque était pas là pour te dire. Voilà, donc je ne sais pas comment on va nous gérer. Monsieur Aïlé. Ati a bien parlé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur à la courage? À la courage.
savez, tous les débutants ont droit à une erreur. On n'a pas besoin d'erreur aujourd'hui. Et le papa est là pour rectifier. Bon, dans tout ce qu'il a dit, ce que Dieu a exprimé à Josué. Dans Josué, chapitre 2, il a dit, tu peux aller, mais n'oublie pas la Bible. Bon. Et Dieu lui a clamé le... Est-ce que là, on parlait de Bible? Bible, ça veut dire ensemble des livres. Biblos, c'est l'ensemble de plusieurs livres qui fait une bibliothèque. Parce que là, il ne s'agissait pas de livres, c'était des parchemins. C'était la loi mosaïque. Voilà, donc il marchait en fonction de la loi. Donc, ne parlez plus maintenant de Bible quand il s'agissait là de Moïse, parce que c'était la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Donc, il marchait sur la loi. Il n'y avait pas de Bible. Parce que quand on parle de Bible, ça veut dire l'ensemble de plusieurs livres. Donc, la Bible est une bibliothèque. Est-ce qu'on me retient un peu ça? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Vous retenez une chose, la Bible est une bibliothèque. Bible, c'est une bibliothèque, l'ensemble de plusieurs livres. Donc, Dieu ne parlait pas de Bible. Merci. Il parlait de la loi. Ok, donc j'ai touché quelqu'un d'autre, Serge. Ça va permettre d'aller toucher la Bible. Parce qu'on a vu le passage. On a vu le passage. J'aimerais que vous reteniez les versets. Quand vous lisez la parole de Dieu, retenez les versets. Ce que nous voulons faire, c'est de vous faire grandir dans la foi. Ne venez pas seulement baser ici des choses, des miracles, Dieu le fera. Parce que tout à l'heure, on va prier pour les malades, on priera. Mais vous-même, votre propre culture personnelle, étant à la maison, touchez la Bible. N'ayez pas peur de lire la parole de Dieu. N'ayez pas peur. Amen. Amen. Si vous touchez la parole de Dieu, commencez à dormir, c'est que vous avez un problème. Amen. Il y a des gens, ils regardent les vidéos, ils regardent qu'on appelle de la télévision, mais quand il s'agit de la parole de Dieu, ils commencent à dormir. Ça veut dire qu'ils ont un esprit. Amen. Amen. C'est ce qui sont dans la Bible. La Bible a dit. On attend le Seigneur. Amen. Voilà, nous voulons baser cette œuvre sur la parole de Dieu, vous amener à comprendre les choses. Si dans une église, on ne mise pas sur la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème. La foi vient de ce qu'on a compris, de ce qu'on comprend de la parole de Dieu. C'est qui construit en nous la foi. Il y a des gens qui font des années à l'église, mais ils ne savent rien de la parole de Dieu. C'est une erreur très grave. Ils ne savent même pas. Il y a combien de livres dans la parole de Dieu? Ils ne savent même pas. Dans la Bible, il y a combien de livres? 66. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 66. Alléluia. Il y en a 66 livres. Vous comprenez déjà que ça veut dire une bibliothèque. Voilà. Il y en a 66 livres. Et c'est ce que nous allons essayer de voir au fur et à mesure dans les différentes familles. Et ça va vous donner l'envie de toucher la parole de Dieu. Ça, c'est clair. Pendant que l'apôtre Paul prêchait à la ville des Thessaloniciens, eux, ils aussi consultaient pour voir si ce que l'apôtre Paul disait était en conformité avec la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est cela qu'il faut que nous retournons à la parole. Quels sont ceux qui ont oublié la Bible à la maison? Généralement, ceux qui ne se basent pas sur les données bibliques, ils ont une pensée très erronée. Vous savez, quand les gens sont pas, ils ont cette matrition, comment on appelle la femme qui ne mange pas bien? La nutrition spirituelle. N'est-ce pas? Ça se sent dans sa manière de parler. Ça se sent dans sa manière de raisonner. Parce que la personne ne sait pas comment se défendre. Et bizarrement, c'est ces personnes qui m'imitent beaucoup dans les églises. Parce vous savez, elles sont toujours là, mais elles ne sont pas utiles. Parce qu'il n'y a rien en eux. Or, la nourriture d'un chrétien, c'est la parole. Il dit, l'homme ne vivra plus de pain seulement, aussi de la parole de Dieu. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Aussi de la parole de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas quitter ici sans que vous nous donniez un verset. S'il avait donné le verset, c'était parti.
Monsieur, bien sapé, on acclame le Seigneur. Il nous fera plaisir tout à l'heure. On acclame le Seigneur pour sa tenue. Non, il n'y a pas malheureusement. Vous ne pouvez pas vous deux venir dire malheureusement. Nous sommes dans un événement heureux. Pourquoi toujours vous deux vous dire malheureusement? Le premier venir dire, bon, vous savez qu'on a droit à l'erreur. Il n'y a pas d'excuse, parole. Il n'y a pas d'excuse. Mais... vous mettez la Bible de vœux comme oreiller quand on va à la maison. Non, la Bible ne devient pas l'oreiller quand on va à la maison. Vous savez, souvent par manque d'inspiration. Acclamons le Seigneur, encourageons-le. Par manque d'inspiration. Sinon, je vais t'aider. Voilà. Jésus, le chapitre 1, le verset 8, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Arrêtez vos discours, arrêtez. Bien quelqu'un, arrête tes discours, arrêtez. Amen. La seule chose qui allait permettre à Jésus de conquérir le territoire cananéen, c'était la parole de Dieu. La seule chose qui t'amènera à rentrer en possession de ton Canaan, qui est ton mariage, ton succès, ta guérison, c'est la parole. En dehors de ça, Dieu ne fera rien. Donc Dieu dit à Jésus que le livre de la loi ne s'éloigne point. C'était la boussole, cette boussole-là que Jésus avait reçue pour partir. Pourquoi vous ne retenez pas ce verset si merveilleux du livre de Jésus et qui commence même dans le chapitre 1? Vous serez sanctionnés là. On les encourage quand même. Devenez les enfants cultivés. Il nous a démontré à plus B qu'il maîtrisait sa chose. La seule chose, il n'a pas fait ressortir les choses bibliques, des versets. Or, quand tu veux parler des trucs bibliques, il faut faire ressortir les éléments clés avec les précisions. Sinon, ça devient une histoire qui t'entend de compte aux gens. Tu n'aides pas les gens qui te coûtent. Parce que pour nous les chrétiens, pendant qu'on est en train de te coûter, on aimerait que tu te fasses une référence. C'est-à-dire, donner un verset et ça va nous amener, n'est-ce pas? Même si on ne fait pas maintenant, ça peut nous amener à retenir quand même le verset. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Monsieur, ça va? Oui, ça va. Non, j'ai dit, donne-moi un... Bon, je te laisse maintenant dire. Non, et vous voyez, je chante, je l'ai aidé, il me ramène encore vers lui. Donc donne-moi le verset. Je vous ai bien dit, il y a besoin d'un verset. Non. J'ai déjà dit le verset, je suis 1, le verset 8. Maintenant, donne-moi le verset. Tout ce qu'il dit, je n'ai pas aidé. Ok, donne-moi le verset. Je n'ai pas dit ça, papa. Je suis sec. Non, il a déjà tout dit. Oui. Le représentant de Jésus a... Tout il a tout dit. Qu'est-ce que tu m'as rajouté? Son exposé propre. Il m'a même épaté. Moi, ça m'a fait plaisir, papa. Mais oui. Ça m'a fait plaisir. On acclame le Seigneur. Nous sommes une famille. Et donc, bien soudé. Oui. Et la dernière fois, on a choisi des gens. Chacun doit faire. Doit jouer un rôle. Très bien. Et c'est moi, en tant que responsable du groupe, tu l'as choisi. C'est moi qui l'ai choisi. Donc pour moi, c'est un honneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donc, en conclusion, en tant que chef de famille Jésus, c'est un honneur pour eux que le représentant de la famille, n'est-ce pas? Hein? Avec quoi? Non. Un honneur que le chef de famille, celui que les chefs de famille ont choisi, n'est-ce pas, ont eu cette capacité de nous démontrer que vous maîtrisez vos sujets, c'est ça? C'est ça. Très bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Et ce qu'on aimerait voir plus tard, prochainement, c'est les versets. Si vous venez vous mettre devant, il faut revenir, il faut ressortir avec les versets. Sinon, vous m'avez, moi, personnellement, épaté. Amen. Amen. Moi, personnellement, vous m'avez épaté. Amen. Voilà, donc que Dieu te bénisse. Continue de l'aider. Continue d'être à côté de lui. Mettez-vous la main dans la main.
C'est ce monsieur derrière, il était tout à tout gâté. Sylvain, j'ai gâté lui là. Je voulais qu'il me donne un verset. Bon, on acclame le Seigneur quand même. Merci beaucoup. Jésus, soyez béni. Donnez-nous deux chants, Jésus. J'espère que vous avez appris les chants. Non? Oui, on a chanté. Va donner. On a pas acclamé Jésus. Je l'acclame Jésus. Donnez-nous deux chants. Encouragez-les, s'il vous plaît. Venez, venez. Ah, c'est une question de papier, vous avez tout ça? C'est la remote qu'ils ont choisi. Hein? Dirigez la voilà, courage. Venez s'il te plaît, viens en force. Ah, parce que comme vous voyez, je fais partie de la famille Josué. Donc, ils m'ont désigné pour diriger la chorale. Justement, c'est pour ça que je suis devant vous. Thank you.
courage, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Coris, on met à l'écart, je pense que vous devez nous mettre devant. Joyeux anniversaire, 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 joyeux annivers
porter le chapeau. Thank you.
blocage de Jean. Allô, Jésus, allô, bon. Thank you.
tout. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? On va souhaiter un joyeux anniversaire à Maman Ginny. Elle est où? Tout le monde, joyeux anniversaire là-bas. À notre maman Ginny. Joyeux anniversaire. Jésus. Maman, que Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir. C'est l'initiative de la présidente des femmes. Que Dieu te bénisse. C'est très bon ça. Que Dieu te bénisse pour cette vision. Il faut toujours apporter quelque chose en plus à l'église. On a besoin des idées. Nous formons une seule famille. Que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés et bénis dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des témoignages ce matin? Encore des témoignages. D'accord. Quels sont ceux qui sont là pour la première fois? Le premier culte. Vous venez juste pour le premier culte. Le premier culte de l'église. Tenez-vous debout. C'est la première fois que vous venez faire le culte avec nous. Envoie les nouveaux personnes. Et après le culte, on aura l'occasion de vous recevoir avec la famille Jésus. Amen. Je vois les gens de l'Angleterre, que Dieu bénisse. Non, on ne donne pas aux gens de l'Angleterre parce qu'ils sont déjà installés dans notre église. Ceux qui aimeraient intégrer l'église, il n'y a pas de problème. Après le culte, nous aurons l'occasion de discuter avec vous. Et vous serez dans l'obligation de rentrer dans la famille Jésus. Voilà. Pour ceux qui veulent intégrer une famille, ça serait la famille Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On arrive par nous. Amen. Je vous assois. Je vous dans votre famille et vous allez intégrer tout à l'heure une famille, la famille Jésus. Vous allez intégrer la famille Jésus tout à l'heure. Amen. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu parce que dimanche aussi est fait pour ça. Dimanche est fait pour écouter la parole de Dieu et après ça, les prières. Amen. La semaine prochaine, ça sera la famille, à partir de demain d'ailleurs, la famille Caleb. Caleb. Levez-vous. Vous êtes prêts? Ah, ou bien je vais. Non, on est prêts. On acclame la famille Caleb. Vous avez la semaine pour prier pour l'église. Vous avez la semaine, n'est-ce pas, pour intercéder pour chacun d'entre nous, pour la vie de l'église. Vous avez aussi, nous avons une rencontre ce vendredi, n'est-ce pas, une école biblique ce vendredi, un moment aussi d'intercession et tout ça ce vendredi, de 18h à 20h. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés. J'espère que le dimanche, vous allez encore nous épater. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer la famille? Salut! J'espère que vous allez nous épater. Hein? Ah. On a vu Israël. Ce qui m'a plu chez Israël, on les a surpris. Mais ils nous ont épatés. Israël ne surprend pas. Si tu l'as surpris, il va te terrasser. Israël gagne toujours. Voici Jésus qui vient encore de nous épater. Amen. Amen. Et on attend Caleb. Ça vient d'où Caleb? Caleb, c'est qui? Il va nous expliquer. Ben, c'est un nom qui est rare dans la bouche des gens. Hein? D'autres même se demandent, mais c'est qui dit où Caleb? Ça existe. Patrick, c'est ça, non? Et ça existe. C'est où quel nom? Caleb, justement. Amen. Amen. Ça vient d'où ce nom Caleb? Vous allez nous expliquer la définition. Vous allez trouver ça. Hein? Vous allez donner les versets. Tout compte fait, on aura l'occasion de parler de ça le vendredi. Ne soyez pas inquiets. C'est une école biblique. On va essayer de voir et un peu tout ça. On va vous enseigner quelque chose, quelques mots. Comment traduire. Et je suis en train de sélectionner parmi vous. Déceler les talents des prédicateurs, n'est-ce pas, des dirigeants, c'est ça l'église.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et nous avons aussi famille Abraham. Famille Abraham, il y a tout le monde là-bas. Cette famille, il y a des grosses. C'est le patriarche. Abraham, c'est le patriarche. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre. On se tient debout, nous prenons la parole de Dieu et nous allons écouter. Seigneur, nous voulons te bénir. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour ta parole. Merci de nous faire du bien. Merci parce que tu es vivant. Et merci parce que nous avons besoin d'entendre ta parole. Celle qui nous fera du bien. Utilise ton serviteur que je suis et parle à chacun d'entre nous. Merci. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. On dit Amen. Amen. Nous prenons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Dans le livre de Matthieu. Matthieu le chapitre. Veuillez vous asseoir. On vous dit que déjà Matthieu, c'est dans le livre de. C'est dans le Nouveau. Et Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau. Très bien. Amen. Donc l'évangile de Matthieu. Matthieu, c'était qui? Un disciple ou bien c'est quelqu'un qui est un écrivain? Il fut disciple ou l'était? On aura l'occasion de voir ça tout à l'heure. Matthieu, chapitre. Hein? Il était quoi? Il était au péage et Jésus a suivi. Donc, disciple de Jésus. C'est ce que je voulais. Amen. Matthieu, le chapitre 26. À partir du verset. Le 36 jusqu'au verset 41. Nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 31. À partir du verset 36? Oui, 36 jusqu'au verset 41. Verset 36 à 41. Je lis la parole de Dieu. Là-dessus, Jésus alla avec eux. Là-dessus, Jésus alla avec eux. Dans un lieu appelé Gethsémané. Dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples. Il dit aux disciples. Asseyez-vous ici. Asseyez-vous ici. Pendant que je m'éloignerai. Pendant que je m'éloignerai. Pour prier. Pour prier. Il prit avec lui. Il prit avec lui. Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse. Et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste. Mon âme est triste. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Restez ici. Restez ici. Et veillez avec moi. Et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta face et pria. Ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qui les trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous avons lu un autre passage, cette fois-ci dans le livre de Luc, Luc le chapitre 22, le verset 43 et 44. Nous allons lire un autre passage, Luc 22, 43 et 44. Je lis la parole de Dieu dans le livre chapitre 22, à partir du verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instantanément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit,
Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Amen. Le thème du message, c'est Gethsemane, lieu de rencontre avec Dieu. Gethsemane, lieu de décision. Amen. Il s'agit là, on nous parle de Gethsemane. Qu'est-ce qui est Gethsemane? Gethsemane est un jardin, n'est-ce pas, où se trouvait juste à côté de ce qu'on appelle le mont Olivier. Amen. Et c'est dans ce jardin que Jésus-Christ avait pour coutume aller prier. Il avait l'habitude de chercher la face de l'Éternel. Et sauf là qu'un véritable chrétien doit être celui-là qui prie. Parce que notre force doit se, n'est-ce pas, se trouver dans la présence de Dieu. Amen. Un chrétien qui n'a pas une vie de prière ne peut pas avancer. Un chrétien qui, n'est-ce pas, qui ne repose pas sa force, si c'est la force de Dieu, ne peut pas, n'est-ce pas, vaincre le combat. Amen. Donc c'est un endroit, n'est-ce pas, que tout le monde savait d'ailleurs. Les gens étaient habitués à cet endroit. Et cette fois-ci, Jésus part à Gethsemane pour une autre chose. On dit, pendant qu'il partait à Gethsemane, son âme était quoi? Triste. Cette fois-ci, il va dans la présence de Dieu, mais on dit son âme est triste. Il sent l'angoisse. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus sélectionne des personnes. Il prend les deux filles des Zébédée, n'est-ce pas, Matthieu, tout ça, Pierre, pour l'accompagner, n'est-ce pas, prier. Et Jésus tourna face contre terre. Et la parole nous dit, dans la prière de Jésus, il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, c'est-à-dire sentait la souffrance. On peut traduire en anglais, non? Ça peut aller? Amen. On peut traduire en anglais? Yes. Allez, vas-y. Amen. Oui, tu peux? Tu peux? À toi. Tu peux essayer? Tu me mets où? Là? Le micro? On peut l'encourager un peu. C'était les derniers moments de Jésus, vous allez comprendre ce que Jésus a vécu. Amen. Amen. Alléluia, c'est vrai qu'on parle de Jésus, Jésus qui fait des miracles, Jésus qui ressuscite les morts. Et cette fois-ci, Jésus se retrouve à Gethsemane. Et moi, il partait à Gethsemane, qui est symbole de la présence de Dieu. Il partait avec tristesse. On dit avec beaucoup d'angoisse. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, on dit qu'il sentait quelque chose arriver. Jésus sentait quelque chose arriver. Bien-aimé, Gethsemane, c'est un parcours. Ça dit c'est quelque chose qui est inévitable. Et chacun d'entre nous connaîtra le Gethsemane de sa vie. Chacun d'entre nous connaîtra ça. Et quand tu seras en face de Gethsemane, tu comprendras ce que Jésus a vécu. Jésus était plein d'angoisse. Mais en même temps, il cherchait des gens avec lui pour le soutenir. Et Gethsemane, c'est un endroit où on a besoin plus de soutien. On a besoin qu'on nous soutienne. Mais regardez ce que Jésus dit. Il change cette fois-ci sa méthode de prière. Il dit, Père, j'aimerais que cette coupe s'éloigne de moi. Je suis en train de voir une souffrance en face de moi. Je suis en train de voir quelque chose d'horrible en face de moi. C'est difficile pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Par moments, on est dans des difficultés, on est confronté à des choses, n'est-ce pas, qui compromettent notre destinée. On se pose la question, pourquoi ça nous arrive? Seigneur, pourquoi telle chose? Je suis en train de traverser telle chose. Je vais te dire une chose. La destinée n'est pas chose exacte. C'est-à-dire la destinée n'est pas forcément où on peut t'acclamer. Ou un endroit où on doit t'acclamer. La destinée, dans la destinée, il y a aussi les moments les plus difficiles. Pourquoi Jésus était angoissé? Pourquoi? Parce que Jésus allait connaître les moments les plus douloureux de sa vie. Les moments les plus terribles de sa vie. Donc c'était pour lui, dans la chair, c'était difficile de supporter ça. Vous vous dites combien de fois Jésus était aussi cher, homme comme chacun d'entre nous? Je répète, je vais prendre sept éléments dans le jardin de Gethsemane. Gethsemane qui est un lieu de tristesse. Je vais développer. Gethsemane, un lieu d'abandon. Gethsemane, la trahison dans le Gethsemane, où ils ont renié Jésus. Et Jésus était confronté à l'humiliation la plus totale de sa vie. Et Gethsemane, un lieu de combat. Gethsemane, et un endroit de décision. Bien aimé,
Vous allez comprendre ce que Jésus-Christ a vécu. Jésus allait dans le lieu de Gethsemane parce qu'il devait rencontrer, il devait être confronté à une difficulté en face de lui. Il devait vivre la tristesse la plus terrible de sa vie. Et donc il avait besoin de soutien. Mais à sa grande surprise, les gens qu'il a sélectionnés pour l'aider dans ces moments difficiles vont l'abandonner même dans la prière. Il y a des moments où tu as besoin que les gens prient pour toi. Il y a des moments où tu as besoin que les gens ne te soutiennent, te boostent. Et c'est à ce moment-là, ceux sur lesquels tu comptes vont te tourner le dos. C'est ce qu'on appelle Gethsemane. C'est ce qu'on appelle Gethsemane. Jésus sélectionne les gens. Il dit, je suis convaincu que si je traverse les moments difficiles, ceux-là, ils pourront me soutenir. Mais à Gethsemane, ces personnes l'ont abandonné. Et à deux reprises, il va dire aux gens, pourquoi? Et les gens disent, la chair est faite. Vous comprenez? Pour vous dire, vous allez voir qu'à un moment donné de votre vie, quand vous serez confronté à ce Gethsemane, le lieu de combat, parce que c'est un moment douloureux de votre vie, vous serez confronté à un combat. Au moment où vous avez besoin que les gens vous assistent, ils vous tourneront le dos. Amen. Tu as l'impression que tout te tombe là-dessus. Tu as l'impression que tout est en train de s'arrêter. Tu as l'impression que tout est en train de se gâcher. Jésus est en face de lui. Il vivait, c'est le dernier moment de sa vie. Mais il devait faire face à ça. Et Jésus, pour Jésus, il fallait passer à autre chapitre. Pourquoi? Parce que Gethsemane allait révéler l'identité réelle de ceux qui étaient avec lui. C'est ça l'élément de Gethsemane. C'est ça l'élément clé de Gethsemane. Les gens sur qui le cas du compteur, ils ne vont pas le soutenir au moment où il avait besoin de lui. De plutôt, ils vont commencer à dormir. Et Jésus a prouvé l'angoisse. Et Jésus devait être humilié, connaître l'humiliation la plus totale de sa vie. La plus totale de sa vie. Alléluia. Donc à Gethsemane, vous allez connaître qu'au moment où vous avez besoin des gens pour vous soutenir, les gens vont vous abandonner. Abandonner. Parce qu'il savait que le monsieur, un de ses disciples, devait le livrer à la mort. Vous allez connaître la même chose. Et ça criait une tristesse dans le cœur de Jésus. Celui avec qui il a mangé, celui qui lui disait, oui, tu es le Messie, tu es le serviteur de l'Éternel. Ce monsieur allait s'entendre avec ses adversaires pour le livrer. Vous allez connaître ça. Les gens que vous avez aidés aujourd'hui, les mêmes gens s'attacheront à vos ennemis pour vous vilipender, vous attaquer. Il a prouvé cette tristesse. Parce que juste après le jardin de Gethsemane, il dit, voici celui qui veut m'arrêter à la porte. Il s'est confié. Judas était l'un des confidents de Jésus. Parce que confier la caisse d'une église à quelqu'un, c'est qu'on lui fait confiance. Bien aimé. Amen. Donc Jésus éprouvait ça parce qu'il vous dit, mais un monsieur à qui j'ai cru, un monsieur à qui j'ai mis, je donne de toute ma confiance, et c'est celui-là qui me lit. Donc il éprouve la tristesse. À un moment donné où on a besoin de plus de gens, et quand vous sentez que les gens vous abandonnent, vous êtes angoissé, triste dans votre âme. Un moment donné où tu penses que celui-là, je peux compter sur lui, des moments difficiles, c'est celui-là même qui se brave contre toi demain. C'est celui-là qui devient ton ennemi. Et tu comprends qu'ils étaient là juste pour quelque chose. Ta personne ne l'intéresse pas. Et à Gethsemane, il va commencer à voir le vrai visage de ceux qui étaient avec lui dans la trahison. Qui va le vendre parce qu'il avait besoin
Il était là justement pour un besoin. Vous allez connaître que les moments difficiles, dans vos moments difficiles, les gens, ça dit quand vous connaissez, vous rencontrez que les gens que vous avez aidés aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes qui se bras contre vous. Vous connaîtrez la même douleur qui a connu Jésus. Encore de Gethsemane, il va comprendre que dans les jours qui suivent, celui même qui a qui, il avait confié toute, n'est-ce pas, toute sa confiance qu'on appelle Pierre, va le renier. Ils vont commencer à comploter des choses. Ils vont compromettre même le ministère de Jésus. Gethsemane. Un moment où les gens te renient. Un moment où les gens oublient tout ce que tu leur as fait. Un moment où les gens ne se souviennent même pas un instant. Un instant que tu as eu un petit temps pour eux. Un instant où tu leur as apporté une assistance. Un instant où vous étiez en difficulté et tu les as aidés. Ils oublient ça. Ils vont te renier. Ils vont te traiter de tous les noms. C'est arrivé à Pierre. À Jésus. Il regarde Pierre. Pierre le renie. L'âme de Jésus est angoissée. Gethsemane. Le moment douloureux de Jésus. Most dangerous time of Jesus' life. Il devait connaître l'humiliation la plus totale. Les gens qui l'ont aidé, ces mêmes gens vont se braquer contre lui, vont lui dire, crucifiez-le. C'est un bandit, crucifiez-le. Jésus est un voyou, crucifiez-le. Parce que parmi la foule, Jésus va se retrouver seul. Dans la cour de Ponce Pilate, seul. Les disciples ont fui. Ils ont tous fui. Et on dit, monsieur, de toute façon, je te vois. On dit que tu es le disciple de Jésus. Jésus. Je n'ai jamais connu ce monsieur. Quand vous savez que ceux avec qui vous avez partagé le même plat, que vous savez les gens à qui vous avez, n'est-ce pas, donnez toute votre confiance. Et dans les moments où vous avez besoin qu'ils vous disent bon courage, et ces personnes vous tournent le dos, c'est l'angoisse qui a connu Jésus dans Gethsemane. C'était difficile d'affronter ça. C'était difficile d'affronter la trahison la plus totale. Les gens se braquent contre Jésus. Et ceux qui l'ont aidé, ils vont s'allier aux ennemis de Jésus. Et ces mêmes personnes vont lui dire devant, dans la cour de Ponce Pilate, ils vont commencer à le regarder. Ils vont oublier tout ce que Jésus a fait dans le passé pour eux. Les miracles que Jésus a opérés dans leur vie. Les guérisons que Jésus a apportées dans leur vie. Et pas mal d'assistants que Jésus a apportés dans leur vie. Ils vont dire, tuez-le. Laissez Barnabas. Et vous allez comprendre Jésus, la tristesse de Jésus. Il a commencé à être angoissé. Mais bien aimé, c'est la nature de l'être humain. L'être humain, c'est l'ingratitude et la méchanceté. Sauf ça qu'il faut avoir confiance en l'Éternel. Ne pense pas qu'à ce moment-ci, Dieu t'a abandonné. Non, ça fait partie de ton parcours. Gethsemane faisait partie de la destinée de Jésus. Vous voulez penser que l'île de l'élévation est facile? Non. Il faut passer par Gethsemane. Il faut passer par Gethsemane. Vous connaissez beaucoup de choses. La trahison. Il comptait sur Pierre. Il a dit, toi, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voici ce monsieur. Si qui comptait, à un moment donné de sa vie, il a régné. Il dit, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Quand vous découvrez la méchanceté des gens, quand vous découvrez l'ingratitude des gens, quand vous découvrez que les gens qui te disaient tu es serviteur de l'Éternel, quand vous découvrez que ces mêmes personnes disent ah non, lui c'est pas un homme de Dieu. Vous comprenez la tristesse qui a vécu Jésus à Gethsemane. Il a commencé à être triste de voir la haute trahison. À Gethsemane, c'est la trahison. In just when it was the betrayal. Donc Jésus était angoissé. Il était triste dans son âme. Il dit non, je ne vais pas affronter ça. He said, non, père, épargne-moi de ça. He said,
Si ça pouvait s'éloigner de moi, parce qu'à un moment donné, je ne supporte plus, si ça pouvait s'éloigner, Dieu dit, il faut que tu l'affrontes. Bien-aimé, c'est pas parce que tu es trahi, c'est pas parce que tu es vilipendé, c'est pas parce que tu es humilié que Dieu t'a abandonné. Mais ça fait partie de ta destinée. Pour savoir réellement les soeurs avec qui tu marches. Quand il y a eu la persécution, Jésus-Christ a été capturé dans le jardin. Beaucoup l'ont quitté. Tous ceux qui l'ont aidé dans le jardin, ils ont promis des clans. Heureusement, ce n'est pas tout le monde. Dis amen. Amen. Parmi les mauvais grains, il y a des bons grains. Il y avait des véritables ici. Il y avait des véritables ici. Ils ont fait un clan contre Jésus. Ils ont même oublié tout ce que Jésus avait fait dans le passé pour eux. Les mêmes gens ont dit, oui, c'est l'homme de Dieu, le fils de David. C'est lui le fils de David. Jésus a fait beaucoup de choses. Et c'est eux qui compromettent le ministère de Jésus. Dans Gethsémani. Jésus se sentait abandonné. Il ne savait plus ce qu'il commandait. Il regarde gauche à droite. Pierre l'a abandonné. Personne ne lui dit bon courage. Tout le monde s'est tourné, braqué contre Jésus. Il est seul à Gethsémani. C'est la tristesse. Et voici, il va la souffrance que Jésus a connue. Parce que la sueur, c'est symbole de tristesse, souffrance. Et cette sueur va se transformer en des sang. Vous vous dites, dans son âme. Parce que là, l'âme se trouve dans le sang. Son âme était attristée. Pourquoi? Parce que les gens qui l'ont aidé devaient l'abandonner. Frère, Jésus a connu ça. Tu connaîtras les moments les plus difficiles. C'est ça la nature humaine. Tu connaîtras l'humiliation la plus totale. Jésus devait être confronté à l'humiliation la plus totale. Où on devait l'exposer, l'humilier. Mais heureusement, quand nous regardons les disciples là, il y avait une catégorie de personnes qui croyaient toujours en lui. Et ça va créer une division pour dire, mais non, il faut qu'on le détruise. Les mêmes personnes qui ont dit, mais bien-aimé, serviteur de Dieu, il est serviteur de Dieu, les mêmes personnes, il va avoir deux clans. Il y a un clan qui dit, nous croyons en Jésus. Il y a d'autres gens qui disent nous ne croyons pas à lui. Donc Jésus devait être confronté. Et puis, bien sûr, ceux à qui il comptait le plus vont vouloir l'écraser. C'est ça, Gethsémani. Est-ce qu'il faut abandonner? Non. C'est là que tu comprends beaucoup de choses. Il faut qu'il y ait Gethsémani dans ta vie. Gethsémani se présente à nous pour nous amener à aller très loin. Gethsémani se présente à nous pour savoir que celui qui est à côté de toi, il peut être des mêmes ton ennemi. Gethsémani se présente à nous pour nous dire, ne nous fions pas aux gens qui sont autour de nous. Gethsémani nous amène à dire, l'homme restera ce qu'il est. S'il n'est pas converti, ou il a mission, ou il est venu pour nous aider. Il y a deux choses. Donc Jésus comprend qu'il avait affaire à des personnes qu'il ne maîtrisait pas. C'est ce qu'on appelle Gethsémani. Tu resteras un jour seul face au combat. Les gens vont t'abandonner au moment où tu as besoin d'eux. C'est les mêmes personnes qui vont pouvoir commencer à se liguer contre toi. Pour dire oui, ils vont commencer à te faire un procès. Ils vont commencer, ils ont fait le procès de Jésus. On dit, qu'est-ce qu'on laisse? On laisse Barnabas ou on laisse Jésus? On dit, mais non, on préfère qu'on tue Jésus. Tuez-le. Ils ont tous oublié ce que Jésus a fait pour eux. Les mêmes personnes qui disaient c'est un serviteur de l'Éternel, c'est les mêmes personnes qui disent crucifiez-le. Dieu. Et ça faisait mal à Jésus parce qu'il devait voir ça. Il devait être confronté à ça, assister à ça. Donc son âme a commencé à s'attrister. Gethsémani, un lieu de trahison. Gethsémani, un lieu d'abandon. Gethsémani, où Jésus a pleuré. Gethsémani, où Jésus était angoissé. Les derniers moments de sa vie, il a connu la tristesse la plus totale de sa vie. La trahison la plus totale. Il regarde bien. Et personne ne veut même prier pour toi. Personne.
Personne même ne veut t'apporter un secours. Personne. Personne ne veut même te regarder. Personne ne veut te soutenir. Il se lève et dit, mais vous n'avez même pas prié pour moi. Vous-même, vous n'avez même pas prié pour moi pendant une heure. Personne ne s'intéressait. C'est ça, Jesus Mané. Quand on sera confronté à Jesus Mané, tu comprendras la même tristesse qu'il y a pour Jésus. Et il voulait être délivré de cette situation. Dieu lui dit, il faut que ça arrive. Il y a des situations, tu ne peux rien contre ça. Tu ne pourras rien contre ça. Et donc Jésus finit par accepter pour dire, il faut que ta volonté soit. Mais la volonté de Dieu, pour nous dernièrement, n'est pas une chose aisée. Vous pensez que la volonté de Dieu, c'est une chose où tout le monde doit t'acclamer, où tout le monde doit être content. Mais à un moment donné de ta vie, tu connaîtras ce qu'on appelle geste mané, l'abandon, tu connaîtras ce qu'on appelle la trahison la plus totale. Au moment où tu t'attendais aux gens à qui tu as rendu service, ils vont te tourner le dos. Je n'ai pas entendu le monsieur. Non, je crois qu'il n'est pas bon. Moi-même, c'est le moment où tu m'avais parlé. Parce qu'à un moment donné, Pierre a dit, à deux, à trois reprises, il a dit, mais Jésus, mais ce monsieur, il ressemble à quelqu'un. La dame d'une pauvre dame. Mais ce monsieur, il ressemble à quelqu'un qui marchait avec Jésus. The lady says that this man, he looks like one of Jesus' disciples. Ce monsieur, je ne l'ai jamais connu. And Peter said, I never knew him. Vous allez voir le regard de Jésus vers Pierre. And you see the look that Jésus devait être confronté à ça. Jésus devait être confronté à ça. Au moment où il avait besoin que les gens le soutiennent. Parmi ses disciples, il y a des clans. On vous dit, Jesse Mané n'a pas été facile pour Jésus. C'est tout ça qui a tristé l'âme de Jésus. Ce n'est pas forcément ceux qui sont avec vous, qui vous acclament aujourd'hui, qui sont véritablement avec vous. Celui qui restera dans Jesse Mané, au moment où tu traverses Jesse Mané, et qu'on appelle David a connu ça, il dit, même quand je traverse l'homme de la valeur de la mort, c'est un moment où chacun d'entre nous connaîtra. C'est à ce moment-là, les gens, tout le monde va se liguer contre vous, les gens sortiront de gauche à droite, pas parce que Dieu vous a abandonné. Non, c'est Jesse Mané pour toi. Jésus, tout le monde était livré à l'ignominie, la plus grande honte, inspecteur dans la cour de Ponce Pilate. Il avait besoin de soutien, les gens l'ont tourné dos. Parce que pour la volonté de Dieu, il faut qu'il traverse là. C'est un prix à payer. Si ça pouvait s'éloigner de moi, Seigneur, je souffre trop. Cette situation, je ne la supporte plus. Mais non. Il faudrait par moment accepter certaines choses. Parce que Jesse Mané nous fait du bien. Dans Jesse Mané, nous recevons, nous voyons le vrai visage des gens. Dans Jesse Mané, le masque tombe réellement. Dans Jesse Mané, vous comprenez. Que les gens ils sont là. C'est ça, Jesse Mané. Vous allez les voir en clan, entendre parler ici, parler là. Oh, la même bouche aujourd'hui. Pourtant, ils n'ont pas une vie meilleure que toi. Tu es plus mieux que eux. Et c'est ces mêmes personnes qui font des clans, qui commencent à te vivre, fonder, comme si c'était mieux que toi. C'est ces mêmes personnes qui te reprochent des choses. Pourtant, ils en font le pire. C'est ces mêmes personnes qui pensent qu'ils sont des juifs, qui font des procès sur ta vie. C'est ce qu'on appelle Jesse. Et des personnes au contraire que tu as aidées. Ces mêmes personnes qui attendent dans leur bouche, je ne l'ai pas connu. Non, lui, je le suivais comme ça, mais je ne croyais pas en lui. C'est ça le vrai visage des gens. C'est ça Jesse Mané. Il faut que ça arrive pour que vous découvriez le vrai visage des gens. L'ordre est ce qu'il est très mauvais. Amen. Et quand Jesse Mané se présente à toi, toi qui vis Jesse Mané, tu t'es une leçon de Jesse Mané. Tu t'es une leçon de Jesse Mané. C'est là que tu comprends que this is what you understand. Il y a des personnes à qui je ne vais pas faire confiance. C'est là que tu te dis, oui, l'homme, ce monsieur il m'a aidé dans les moments les plus difficiles. Jesse Mané. Ceux qui ne pouvaient pas parler, c'est Jésus. Ce jour-là, ils n'ont plus parlé. Ce que vous avez dit, tout le monde a dit crucifiez-le. Parce que ce jour-là, il fallait tuer quelqu'un. Il fallait livrer quelqu'un à la croix. Et ils ont livré Jésus. On dit tuez-le à la place d'un criminel. Tuez-le. Ils ont commencé à le vilipender. Ils ont commencé à l'attaquer. Et plus on attaquait Jésus, les plus faibles
fuyaient, ils ont abandonné Jésus. C'est en ce moment que tu vas comprendre beaucoup de choses. Jésus se trouvait seul, même les disciples. Sur lesquels il répondait l'obligé. C'est ce qu'on appelle geste humain. Quand tu penses que tu seras confronté à ça, c'est la tristesse. Jésus se trouvait un moment seul. Tu te retrouvais toujours seul dans geste humain. Celui à qui tu as rendu service se liguera contre toi. Celui à qui tu as aidé, c'est la même personne. Il dira des choses. Il fera même des procès pour qu'on puisse l'entendre. Aller même jusqu'à te réunir pour dire je ne suis plus avec lui. Je n'ai jamais vu. C'est quand il y a Jesse Mané qui est dans les églises, il y a des clans. C'est ce qu'il y a Jesse Mané qui est dans les églises. Les gens commencent à former des clans dans les églises. Et c'est quand il y a Jesse Mané, on pense que Dieu a laissé l'homme de Dieu. C'est quand il y a Jesse Mané qu'on pense que ce monsieur, il est en abandon de Dieu. Non, Jésus a promis ses membres ici qu'on appelle Jesse Mané. In your most difficult time, du coup, tu as l'impression qu'ils ont coupé les mois, ils ont oublié tout ce que tu leur as fait. So the one who helped you helped the forgot everything you did. Donc Jésus est resté seul, angoissé. Il s'élève. Je peux compter ses pieds. Pierre dit donc, il dort. He said, "Can I run?" Peter said, "No, Peter is sleeping." Il regarde quel disciple, personne ne peut l'aider. Mais lui, personne ne pourra t'aider. Tu seras confronté à ça. Tu vas traverser ça. Tu vivras ça. C'est des choses inévitables. On ne s'éloigne pas de Jesse. On affronte Jesse. C'est des choses auxquelles tu seras confronté. Tant que tu n'as pas connu l'humiliation, tu ne connaîtras pas l'élévation de Dieu. Jesse. Un moment douloureux pour Jésus. J'ai des moments comme ça. Où tu as l'impression que tout te tombe là-dessus. Personne ne veut dire des bonnes choses de toi. Personne ne veut dire des bonnes choses de toi. Personne. C'est ça, Jesse. Personne de ce jour-là ne voulant pas parler de Jésus. Personne ne voulait entendre parler un instant de Jésus. Personne ne voulait qu'on dise quelque chose de Jésus. Personne ne voulait. C'est ça, Jesse. On l'a tous abandonné. On cherchait tout quelque chose. Ah oui, c'est comme ça il est. Ah oui, c'est comme ça il est. Ils l'ont abandonné. Mais regardez Jésus. Quand il a été ressuscité, vous comprenez comment les gens étaient méchants. Regardez quand Jésus est ressuscité, on dit Jésus est ressuscité. Et Thomas dit, tant que je ne touche pas la plaie. C'est-à-dire même à un moment donné, les gens ne croyaient plus. À la promesse de Jésus-Christ, ils ne croyaient pas. Avant, il marchait avec les gens. Ils ne croyaient même pas sa destinée. Ils ne croyaient même pas. Il s'est rendu compte qu'il vivait avec les gens, mais qu'il ne croyait même pas lui. C'est venu juste pour quelque chose. C'est ça, geste monnaie que Jésus devait affronter. Bien aimé, il faut compter sur Dieu. Tu as quelqu'un, compte sur Dieu. Et c'est à geste monnaie que vous découvrez les véritables amis. C'est à geste monnaie que vous découvrez le véritable amour. C'est à geste monnaie que vous découvrez. Pendant que Jésus est en train d'aller au mont Golgotha, vous voyez quelqu'un qu'on appelle Simon de Cyrène qui va venir porter la croix de Jésus. Voici des gens qui n'étaient même pas porte-disciples de Jésus, qui le voyaient à distance, mais qui vont commencer à le soutenir à Gethsemane. Les disciples sur lesquels ils comptent leur souffle. C'est là que tu vas voir que les gens vont commencer à donner des faux conseils à ton épouse ou bien à ton époux. C'est là que les gens vont commencer à parler des choses inutiles autour de toi. Vous dites, laissez-le. C'est ce qu'on appelle Gethsemane. Jésus devait être confronté à Gethsemane. Il va commencer à compromettre ton ministère. This one, if I'm confronted to Gethsemane, you started to Amen. Compromise your ministry. Et il dit à Dieu, je ne veux pas parce que c'est difficile d'affronter ça. C'est pas facile d'affronter Gethsemane. C'est pas facile. Mais Dieu dit, il a fini par dire que ta volonté soit faite. Il y a des choses, par moment, Dieu permet pour aider, pour booster, pour te faire entrer dans une autre dimension. Comme je disais, il y a beaucoup de choses que nous devons tirer de Gethsemane. C'est dans ce moment-là où vous connaîtrez le vrai visage de ceux qui sont avec vous. Amen. Alléluia. Et quand tu travailles Gethsemane, Dieu, voyez comment Jésus a souffert.
Il se luttait, ça veut dire il ne voulait pas ça, jusqu'à ce que la sueur se transforme en sang. C'est-à-dire qu'il avait tellement, il avait angoissé, il ne voulait pas ça, mais il fallait traverser ça. Ce n'est pas parce que les choses t'arrivent aujourd'hui que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que les gens se liguent contre toi que tu es l'homme le plus dangereux de la terre. Ce n'est pas parce que les gens aujourd'hui se liguent contre toi, mais ça est geste malais. C'est là où vous décidez, c'est là où vous rentrez à une autre étape de votre vie. C'est là où vous comprenez qu'il y a des personnes à qui vous ne devez même plus faire confiance. Oui, parce que quand vous voulez passer à une autre étape de votre vie, Dieu sera obligé de démasquer des personnes inutiles autour de vous. C'est ce qu'on appelle geste. Parce qu'on ne rentre pas dans une destinée avec n'importe qui. Amen. On ne rentre pas dans une destinée avec n'importe qui. We don't enter a destiny with anybody like this. Un moment de combat, il en aura, frère. Ils vont te laisser dans le combat. We live in the fight. On dit un vrai ami, on le reconnaît dans la douleur, dans la souffrance. It's a great friend will follow you. C'est là que tu vas voir des gens qui vont commencer à former des clans autour de toi. C'est là que tu vas voir des gens qui vont commencer à te répandre. C'est là que tu vas voir des gens qui vont te dire à qui au cours de tes ennemis, au côté de tes ennemis, pour pouvoir t'attaquer. Des personnes qui vont acclamer, tu dis, Dieu m'avait dit que tu étais un serviteur de Dieu. La même bouche va commencer à dire, non, c'est pas un serviteur de Dieu. Je ne crois même plus en lui, c'est pas un serviteur de Dieu. C'est ce qu'on appelle Jésus. Vous savez, je confronté à Jésus. Et Jésus a commencé à pleurer. Parce qu'il regardait des personnes sur lesquelles il devait compter. L'aurait déjà lâché. They just turned back on him. C'est ce qu'on appelle geste. This is what gestion is about. Devait l'humilier. C'est ce qu'on appelle geste. This is what gestion. Devait le trahir encore. À cause de l'argent, le vent. Because of the money, c'est ce qu'on appelle geste. Mais c'est un endroit de décision. Est-ce que je dois continuer cette impression? C'est là où vous devez prendre la plus grande, la décision la plus importante de votre vie. This isn't just the one we have to. Parce que vous découvrez les gens les plus importants qui sont là, quel que soit la souffrance que tu traverses, ils sont là. Ils n'ont pas peur de t'accompagner dans Gethsemane. Parce qu'ils ont cru dès le départ. Amen. Parce qu'on a foi une personne, on ne l'abandonne pas. On l'aide, quelles que soient les difficultés, on l'aide. Alléluia. Jésus va mourir. Les hommes ont fui. Mais regardez les femmes, qu'elles ont fait. Les mêmes femmes, elles vont aller jusqu'au tombeau de Jésus. Elles sont parties jusqu'au tombeau de Jésus. Elles croyaient en Jésus. Bien qu'il soit mort, ils sentaient déjà. Essuyez le front là, c'est allé très loin. Vous pouvez essuyer ici, hein? Laisse ici. Là. Amen. Alléluia. Je suis ici du temps, ici la d'après moi. Laisse-moi moi me essuyer. Amen. Geste malais. Jésus était mort, enseveli, mais croyant en lui. Il y a des gens qui vont vouloir vous ensevelir. Ils ont décidé de vous tuer. Ils ont décidé de vous exterminer. Il y a des gens qui croyeront toujours. C'est ces personnes-là. C'est ces personnes sur lesquelles vous devez plus avoir foi. Les hommes avaient fui. Même quand on annonçait la résurrection de Jésus, d'autres disent non. Matthieu dit, Thomas dit, si je n'ai pas vu là, les traces des clous, je ne croyais pas. Ça veut dire que ce Thomas-là, il a marché à Jésus sans foi en lui. Sans avoir foi en lui. Il y a des gens qui viennent avec vous parce que vous êtes renommés. Il y a des gens qui viennent parce que vous avez de l'argent. Il y a des gens qui viennent vers vous parce qu'ils peuvent profiter quelque part de vous. Mais votre personne, ça ne les intéresse pas. C'est ce qu'on appelle gestement. Un moment de votre vie, vous les avez aidés, mais ces mêmes personnes. Un moment de votre vie, vous les avez orientés. Un moment de votre vie, vous les avez soutenus. Mais à un moment donné, ils vont vous abandonner. Et c'est ces mêmes personnes qui se ligueront contre vous. C'est ce qu'on appelle geste. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Amen. C'est ça, geste malais. Tu connaîtras la trahison. Just tu connaîtras l'abandon. C'est le comportement de l'être humain. This is how human beings. This tu connaîtras l'hypocrisie la plus totale. People be personne pour te défendre.
C'est ce qu'on appelle Gethsemane. Tout le monde l'a abandonné. Everybody, c'est ce qu'on appelle Gethsemane. Mais Jésus est resté seul en train de pleurer. Je sais que certainement tu traverses ce Gethsemane d'une autre manière, Gethsemane. Les gens t'ont abandonné. Au moment où ça allait très bien chez toi, ils étaient tous là. Maintenant que tu vas les difficultés, personne. Ne veut t'écouter, personne. Ne veut même plus te dire bonjour, personne. Et c'est les gens qui trouvent quelque chose à dire. Tu n'as aucun soutien de quelqu'un, personne. On te laisse dans cette situation. C'est ce qu'on appelle Gethsemane. C'est à ce moment-là que tu dois prendre la plus grande décision, la plus bonne décision. Et la bonne, c'est de faire confiance à Dieu. C'est ce qu'on appelle Gethsemane. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus a connu. This is what Jesus si Jésus a connu ça, tu connaîtras la même chose. D'une autre manière, tu connaîtras la chose où les gens vont t'abandonner, les gens vont te délaisser. Ils te diront tout ce qu'ils avaient dit, les mêmes qui t'ont dit « Ah oui !» Et quand j'étais souffrant, ils vivaient des situations, tu les as même assistés. Là, David dit « Mais quand j'étais malade, j'étais à leur côté. » Mais aujourd'hui, c'est lui qui compte pour moi. Lisez dans le psaume 35, vous allez comprendre l'amertume du cœur qui était dans le cœur de David. Je prenais le deuil, j'étais à leur côté dans les moments difficiles. Mais c'est les mêmes personnes qui me vilipendent aujourd'hui. C'est les mêmes personnes qui m'attaquent aujourd'hui. David a connu la même chose. Et David lui traduit ça comme quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort. On a l'impression que tout te tombe là-dessus. Et puis tout le monde te voit comme quelqu'un qui est mauvais. Et c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle Gethsemane. C'est là que tu vois le vrai visage de certaines personnes. Amen. Amen. Les vrais amis venant te dire du courage. Ceux qui étaient par là, ceux qui étaient là juste pour un intérêt, vont t'abandonner. C'est ce que Jésus a connu. Mais ça devait arriver. Ça faisait partie de la destinée de Jésus. Ça fait partie, n'est-ce pas, de la destinée de Jésus. C'est ce que Dieu dit. Il faut que ça arrive, tu ne dois pas travailler, tu ne dois pas refuser. On ne refuse pas Gethsemane, on affronte Gethsemane. Tu dois l'affronter. Et donc il luttait avec Dieu pendant des heures, il luttait avec Dieu. Dieu dit, il faut que ça arrive. Pour vous dire, la situation dans laquelle tu es confronté, souvent Dieu permet ça. C'est le plan de Dieu. Tu ne dois pas la fuir, il faut l'affronter. Donc du coup, Jésus prend la bonne décision, il accepte, mais ce n'était pas une chose facile. Être trahi, être humilié, ce n'était pas la chose la plus facile. Mais il a accepté. Les personnes que tu as aidées, que tu as donné à manger, les personnes à qui tu as assisté, ces mêmes personnes, c'est tout le dos, c'est ces mêmes personnes à qui tu rendais service, vont commencer à former des clans, tu vas commander. Jésus a connu ça. Même le disciple le plus puissant, Pierre, m'a laissé. Il faut former un clan. Ils vont commencer à se braquer. Mais c'est l'erreur que les gens ne veulent pas commettre. Parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui sont appelés de Dieu. Que vous voulez ou pas, vous les combattez demain. Vous viendrez vous humilier devant eux. Amen. Parce qu'ils vous feront la guerre. C'est ça qu'il dit aux gens. N'oubliez pas l'aspect de la guerre que les gens vous feront. N'oubliez jamais la guerre. C'est un combat la vie. Parce qu'à un moment donné, les gens ne pourront pas supporter votre élévation. Ils n'accepteront pas votre élévation. Ils vont compromettre ça. Ça les dépasse. C'est ce qu'on appelle Gethsemane. À ce moment, la personne, ceux qui étaient venus pour justement pour un intérêt, ne même pas te dire bonjour. Ça ne les pas. C'est ce qu'on appelle Gethsemane. Jésus s'est senti trahi. Il a sélectionné ces personnes, mais ces mêmes personnes l'ont lâché. Personne ne voulait défendre Jésus. Personne. Il s'est retrouvé seul dans la cour de Ponce-Pilate. Seul. Encore seul à la croix. Symbole de souffrance. Seul. Encore en train d'être humilié, en train d'être défendu. Seul. Mais tant que vous ne passez pas par Gethsemane,
Vous ne connaîtrez pas la gloire de Dieu. Tant que vous ne passez pas par Gethsémané pour affronter le combat, pour affronter ça, parce que vous devez tirer une leçon de Gethsémané. Gethsémané, c'est créé pour qu'on profite. On a tiré quelque chose de Gethsémané. Moi, j'ai appris beaucoup de choses de Gethsémané. Ouvre les yeux, il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de t'enseigner dans Gethsémané. Ce qui fait le plus mal, c'est que la personne à qui tu as rendu le service, c'est la personne même bien éduquée pour te rencontrer des saletés. Et les gens croient en lui, plus que toi. Elle dit, croit en ce qu'il dit, plus que toi. C'est ça qui faisait plus mal à Jésus. Ça dit, elle croit, non. Et toi, ce que tu dis, ça ne leur intéresse pas. Mais c'est ce que tes détracteurs disent, c'est ça qui leur intéresse. Et c'est là où vous voyez la méchanceté de l'être humain. Qui ne cherche même pas à te protéger. Pour comprendre qu'à un moment donné de ta vie, tu as eu du temps pour lui. Au moment où il pleurait, tu étais là. Au moment où il était attristé, tu étais là. Et il a une courte, justement, c'est comme de la sorcellerie. C'est un esprit de sorcellerie. Ils ont une courte mémoire. La traîtrise. C'est ça, J'étais dans quel milieu? C'est à ce moment-là que tu avais besoin, parce que la Bible dit que vous êtes faible, fort. Comme tu es fort, la Bible dit qu'il faut soutenir le faible. La Bible n'a pas dit d'abandonner le faible. C'est là que les gens vont trouver tout son erreur, tout ce qu'il a dit. Mais si tu penses qu'il est comme ça, pourquoi tu ne pries pas pour lui? Pourquoi tu ne le soutiens pas? Parce que ton rôle, c'est de le soutenir. C'est le rôle que doit jouer un chrétien. Le rôle que doit jouer un chrétien, c'est de soutenir les faibles, les aider. C'est ça, vous allez comprendre Gethsémané. C'est un moment douloureux. Après que Jésus, sa sueur s'est transformée en de gouttes de sang. La méchanceté humaine. Des gens qui te disaient oui, oh homme de Dieu, tu sais même pas, personne qui dit non, moi-même je doutais un peu, je croyais qu'il ne croyait pas. Oui, tout ça. C'est pour dire, faites beaucoup attention. Et vous allez remarquer la vie de ces personnes. Elles ne voulaient jamais dans leur vie. Vous allez remarquer les mêmes personnes qui sont traites. Ils sont là, ils n'avancent jamais. Et tu comprends pourquoi Dieu ne les bénit pas. C'est à Gethsémané que tu comprends. C'est quand tu es dans Gethsémané que tu comprends pourquoi ces personnes sont là depuis qu'elles sont chrétiennes. Elles n'ont jamais évolué. Parce que c'est comme ça leur vie. C'est là que tu comprends. Le vrai visage des personnes, pourquoi Dieu ne les bénit pas? Pourquoi même quand même prier pour eux pour ça pas marcher? Parce qu'elles ne sont pas sincères, n'ont jamais été sincères avec toi. Ce sont la belle geste. Vous comprenez beaucoup de choses. Toujours les personnes en train d'accuser. Il a prié pour moi, qu'est-ce que ça a pu faire? Ça fait quoi? C'est ce qu'on appelle geste, c'est mal. Mais toi, qu'est-ce que ta foi t'a pu faire? Parce que le miracle appartient à Jésus. Vous allez comprendre que ces personnes ne volent jamais dans la chrétienté. Ils n'avancent jamais, tout est bloqué. Vous comprenez pourquoi? Pourquoi leur vie est comme ça? Parce que ce sont des personnes sans conviction. Elles sont jamais sincères. Elles sont là où il y a la traîtrise. Elles sont là. Elles soutiennent nos rébellions. Elles soutiennent tout ce qui n'est pas juste. Elles ne sont pas là pour soutenir. C'est ce qu'on appelle justement. Là où on compromet les gens, c'est là-bas. C'est là-bas que ces personnes se retrouvent. Pas là où on veut soutenir. Non. Là où on dénigre, là où on attaque, c'est ce qui intéresse les gens. C'est ce qu'on appelle Gethsémané. Tu connaîtras ça. Et tu verras le vrai visage des gens. C'est un endroit où on découvre beaucoup de choses. On s'est dit, on a passé tout le temps en train de prier pour telle personne, donc c'est comme ça qu'on s'est dit. C'est ce qu'on dit, Gethsémané. Et tu ne comprends pas pourquoi Dieu ne bénit pas cette personne. Toi-même, tu ne peux pas comprendre, mais je comprends pourquoi Dieu ne la bénit pas.
Je comprends. Now you understand why God is not blessing that person. The more you pray for that person. Yes. Yes, my lui de rencontre, un lieu de décision, un endroit où on se rend compte de la tristesse, parce qu'on sera confronté à la trahison. Jésus dit même plus grand, il dit même le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si nous l'on paye, c'est ce qu'on appelle Jésus. Vous savez, quand vous avez une destinée, la destinée n'est pas forcément ce qui est facile à affronter. Mais non. To go through or to face la destinée, your destiny. Il y a les choses aussi les plus difficiles que nous affrontons. C'est ça, Gethsemane. This is what Gethsemane is about. Si tu es en train de vivre, Gethsemane, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Don't think that God has abandoned you. Oui, parce qu'à un moment, tu as l'impression que tout le monde fuit, tout le monde t'abandonne. Pas parce que Dieu t'a abandonné, il faut que ça arrive. Ça doit arriver. Pour connaître beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle Gethsemane. This is what Gethsemane is about. Amen. Amen. Ce que les gens disent de toi n'a rien à voir avec ce que Dieu pense de toi. But doesn't match what God. Mais justement, c'est ce que tu dois retenir. What you need to remember. Amen. Amen. Alléluia. That's what Jesus God think about you. C'est là que tu comprends beaucoup de choses. This is why you understand. C'est ce qu'on appelle Gethsemane. Gethsemane. Je suis en train de traverser Gethsemane. Je suis à Gethsemane. Mais je comprends beaucoup de choses à Gethsemane. Ma vie est faite de combats. C'est pour ça qu'il y a des certaines choses sur lesquelles je ne me prononce pas. Parce que je ne peux pas me rabaisser. Amen. Je ne peux pas me rabaisser pour répondre à des excusez-moi aux imbécilités. Parce que quand tu te rabaisses, je te mets au même niveau que cette personne. C'est ce qu'on appelle Gethsemane. Depuis un moment, je vous ai déjà averti. J'ai dit les gens avaient acheté la presse ivoirienne dans le but de vilipender le prophète Sassou. Les gens avaient fait des documents, des faux documents pour m'éclabousser dans toute la presse ivoirienne. Et nous ont accroché, nous on a fourni aussi nos documents, les gens fuient. And those same journalists used to approach me as well. Donc ce qui est en train de se passer, nous on est au courant. Quand vous avez affaire à quelqu'un, c'est pas du vrai. Quand vous avez affaire à quelqu'un, vous l'attendez, vous vous confrontez à personne. Vous l'affrontez. What you need to do is to confront those people. Amen. Parce que les gens seront toujours là pour vous attaquer. Ils seront toujours là pour vous attaquer. Je ne suis pas un politicien, mais j'ai fini par tirer beaucoup de choses. Et les gens, votre élévation les fatigue. Il y a des gens, votre bénédiction les fatigue. On veut nommer un procureur aux États-Unis. En ce moment-là, une dame sort d'une cachette. Elle est en 80. En 80, le monsieur a couché avec elle. Harcèlement. On devait le nommer, madame. Ça se voit les gens pour venir faire un procès. Parce que le monsieur doit être élevé. On veut le nommer comme procureur. Et c'est là la femme la sort. Elle dit non, elle s'oppose à ça. Mais pourquoi? Il a failli me violer. C'est ce qu'on appelle Gethsemane. Je voyais le monsieur pleurer. Et je disais, je vis la même chose que toi. Je ne suis pas politicien. Lorsqu'on a frappé l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, je suis obligé de parler de ça aujourd'hui. Ils ont envoyé plus de 82 témoins. Aujourd'hui, les gens de le dossier est vide. Ils ont envoyé des éléments vidéo, des papiers à l'appui. Aujourd'hui, la même presse qui vilipendait ce président, cette même presse dit le dossier est vide. C'est ce qu'on appelle Gethsemane. C'est ce qu'on appelle Gethsemane. C'est pour lui son Gethsemane. C'est son Gethsemane à lui. Ce que les gens disent n'est pas forcément ce qui est vrai. Parce qu'ils ont un objectif à atteindre. C'est de salir, c'est de détruire. Et quand vous voyez la source de l'information, vous, ça vous appelle. Parce que c'est un réseau de sorciers. Or, comme d'autres, ils étaient déjà contre toi. Ils étaient déjà leur agent dans ton ministère. Et ça leur réjouit de continuer, n'est-ce pas, de pérenniser leur ministère.
Le monsieur, vous l'avez attrapé comme un bandit. Vous l'avez vilipendé. On a vu comment la presse a insulté le monsieur. Aujourd'hui, on lui dit le dessus est vide. Que non, on va chercher encore. Mais vous allez chercher quoi? C'est ce qu'on appelle chair. Parce que le diable utilise l'information. Ils vous font croire. Aujourd'hui, les mêmes gens, le prophète, lui, il fait des montages. Donc, le serpent de grosse, moi qui l'a mis dans la ternité, c'est moi qui suis allé prendre le serpent pour venir l'introduire dans la ternité. C'est moi qui ai pris, n'est-ce pas, les bâtiments qu'ils ont fait à Zaroko. Pendant 10 années, le dispensaire est bloqué. Aujourd'hui, le dispensaire ouvert, c'est un montage, ça? Yes, money. Je suis en train de traverser mon Jesmane. Jean-Louis, quelqu'un guéri, c'est un montage, ça? C'est ce qu'on appelle Jésus. Et ceux qui n'étaient pas avec toi vont croire. Ceux qui n'étaient pas avec toi vont se braquer contre toi, ils vont commencer à croire, ils vont commencer à former des camps, ils vont commencer à t'abandonner. C'est ce qu'on appelle Jésus. Un moment de tristesse. Parce que tu pensais que lui, il était avec moi, et puis du coup, il t'abandonne. Le jour où Jésus a été ressuscité, les soldats, on les a achetés. On a acheté des soldats pour venir dire qu'il n'est pas ressuscité. Dites ça, il n'est pas ressuscité. Là, c'est la même stratégie. Le diable n'a jamais changé, c'est la communication. Si vous avez affaire à quelqu'un, vous le confrontez. On ne peut pas aller attaquer quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle geste. Parce que le diable utilise la même chaîne de télé qui attaquait, la même chaîne sur le réseau. Dites, oh, le dossier est vide. On s'est fait tromper. Sur ça, qu'est-ce que ce qu'on dit? Ne vous fiez pas à ça. Everything people say, don't trust what people say. C'est ce qu'on appelle geste. C'est là que tu vas voir le vrai visage de ceux qui étaient avec toi et ceux qui n'étaient pas avec toi. C'est ce qu'on appelle geste malin. Ils vont commencer à mettre des gens autour. Quand vous regardez la source d'information, ça vient d'où? On est au courant. Ça vient d'où? Quelque part. Les gens ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Nous, on a. Vous savez, quand vous êtes dans la vérité, vous gardez une sérénité. C'est celui qui est dans le faux qui panique. Celui qui est dans la vérité, il ne panique pas. Moi, j'écoute tout ce qu'on dit sur moi, même en mauvais. J'écoute du début jusqu'à la fin. Et je vois des faussetés partout. Et je ne suis pas ébranlé parce que c'est faux. Parce que si tu as quelque chose contre moi, tu m'attends. Et puis tu me regardes droit dans les yeux, tu m'affrontes. Si tu ne peux pas l'affronter, c'est que ce que tu dis, tu n'es pas courageux. Tu as quel objectif en venant sur les réseaux sociaux m'insulter? Ça veut dire que toi, même les gens qui appellent ces ennemis, c'est ce qu'on appelle. Et c'est en cette période que tu comprends beaucoup de choses. And this is why you understand a lot of things. Amen. Amen. Je connais mon ministère. I know my ministry. Je sais ce à quoi je suis appelé. I know what God called me for. Je sais où je m'en vais avec Dieu. I know where I'm. Je ne suis pas perturbé. Je ne me laisse pas distraire. J'ai mon travail à faire, c'est de gagner des âmes. Amène-moi en Chine, j'aime mater la sorcellerie. Amen. J'ai ce mané. Je sais combien de fois le diable est venu acheter des gens. Ceux qui disent, ah, on était avec lui, voici ce qu'il fait, c'est même gens que tu as acheté. C'est ce qu'on appelle geste mané. Nous savons beaucoup de choses, je sais beaucoup de choses, mais je ne prononce pas. Parce que je suis objectif, je sais où je me trouve. Dès le départ, on savait beaucoup de choses. Nous ne sommes pas vrais. Les gens racontaient pas mal de choses, disent qu'ils ont des papiers. Nous, on envoyait des documents, ils ont fait. C'est ce qu'on appelle geste. C'est la même chose. Pour nuire à la vie de quelqu'un, vous utilisez la communication et la mauvaise d'ailleurs. Et vous voyez celui qui parle, vous voyez l'origine de la personne, vous comprenez déjà que c'est la sorcellerie. Quelqu'un qui a fait la rébellion, qui est insulté, qui a pris les armes, qui allait tuer les gens. C'est celui-là qui t'insulte, tu te mets au même niveau que lui, c'est un basset, tu te rabaisses. C'est ce qu'on appelle geste mané. Il n'est pas bon. Il ne peut pas t'atteindre. Il t'est jaloux. Ils sont contre toi. Ils vont tout utiliser pour te nuire. Et ça se moque. Mais moi, ça m'aide parce que ça me plonge plus dans la présence. Quand il y a geste mané, ça vous donne une vie de consécration. Quand il y a geste mané, ça vous permet de faire attention à beaucoup de choses. Geste mané fait grandir.
Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Tu es en train de vivre des moments les plus difficiles. Nous prions le Seigneur, nous prions que la puissance de Dieu vous visite en ces moments les plus douloureux de votre vie. Des moments où les gens vous abandonnent le plus. Des moments où les gens vous tournent dos. Des moments où les gens vous répondent. Des moments où les gens rencontrent. Les gens ne sont pas mieux que vous. Rencontrent des choses. Ces mêmes personnes qui vous avez aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui élisent comme vous. Geste mané, c'est ça, geste mané. Nous prions. Continuez de prier. Oh, la vache, chacun de vous. Nous continuons de prier. Non. Lâche-la. La puissance de Dieu. Lâche-la. Libère-la, c'est un art. Si, tu vas la libérer. Si. Lâche-la. Libère-la. Le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Lâche. Tu m'entends? Tu la libères. Lâche-la. C'est un arbre. Tu vas la libérer son âme, tu vas libérer toute sa vie dans le nom de Jésus. Tu vas libérer sa vie au nom de Jésus. Lâche-la. Qui es-tu? Tu vas la libérer. Qui es-tu? Que fais-tu dans ce corps? Détruit. Tu es là pour la détruire, c'est ça? C'est ça? Qu'est-ce que tu as déjà gâché dans sa vie? On continue à prier. Elle peut pas quoi? Elle ne peut plus avoir des enfants. Et pourquoi? Elle ne peut plus avoir des enfants. Et pourquoi? Tu veux la détruire. Mais tu l'as déjà détruite. Elle ne peut plus avoir des enfants. C'est ça? Et tu viens d'où? Comment tu entres dans sa vie? Vous êtes trois. Tu peux avoir le nom des trois? Vous êtes trois. Donne-moi le nom des trois. Donne-moi le nom des trois.
Donne-moi les noms de trois. Si. Si. Tu vas me donner les noms de trois. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Tu as gâté son ventre, c'est ça? Pourquoi qu'elle fasse des enfants? Et pourquoi? Hein? Ah, si elle, elle est venue avec qui? L'esprit dit, c'est votre. Elle est venue avec elle? Oui, elle est qui pour vous? Okay. Elle n'a pas encore fait d'enfant? Dans l'autre mariage avant. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Il fait une année. Une année. Et l'enfant qu'elle a fait? Les enfants. Oui, le tout dernier, il a quel âge? 18 ans. 18 ans. Oui, après les 18 années, elle n'a pas fait d'autres enfants, c'est ça? Ok. Tu n'as pas eu de retard, tout ça? Depuis que vous êtes ensemble? Ça, bon, ça. À partir de quel moment? Une relation parce qu'il y a un serpent de deux têtes. Non, non, je ne t'ai pas parlé d'une relation. C'est ce qui est mauvais chez vous. Réponds juste à ma question. Je te pose une question, réponds juste à ça. Je dis, la grossesse qu'elle prend, ça fait combien souvent de mois? Le retard plutôt. Bon, je ne sais pas vous dire parce que elle sent comme c'est là la grossesse. Prions. Les sensations. Des fois, il sent que tous les symptômes de grossesse. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir. Sauf cette, vous, asseyez-vous sur cette rangée. Parce que tous ceux qui sont ici sont les plats. Asseyez-vous là-bas de l'autre côté. Asseyez-vous. C'est un symptôme de grossesse. Mais après, ils ont et ça a duré combien de temps comme ça? Tout le temps, pendant que vous êtes un ensemble. Oui, ça s'est répété deux fois. Deux fois. Après ça, il n'y a plus eu de choses. Lâche-la. Tu vas la libérer par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Non. Si, tu vas la libérer. C'est un art. C'est un art. Non. Si, tu vas la libérer. Un art, tu reçois. Lâche-la. Aujourd'hui, tu vas quitter sa vie. Tu vas quitter sa vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu vas la libérer. Lâche-la. Lâche-la. C'est votre première fois ici? Oui. Moi aussi, vous me connaissez que... avant? Non. C'est non, non, répondez-moi. Vous avez un peu ce problème-là. Répondez à ma question. J'ai dit, c'est pour la première fois. Ah, répondez à ma question. C'est une question-réponse. Ne cherchez pas. Vous me connaissez avant? Non. Et comment vous êtes arrivé ici? C'est... Ah. Parce que souvent les gens disent j'ai fait des montages, les gens disent quand j'ai pris pour les gens c'est des montages, tout ça. Est-ce qu'on se connaît ce frère? Non. Okay. Tu vas la libérer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas lâcher. Juste après cette délivrance, parole du prophète. Le mois qui va suivre, elle va avoir un retard et ça va partir, aura la grossesse. Amen. C'est parole du prophète. Je vois sous forme de qu'on appelle caïman. Les caïmans. Mais le caïman qui est là, c'est comme trois têtes. Le caïman que je vois, c'est des écailles, c'est comme le caïman, mais à trois têtes, et qui est positionné dans son ventre, et qui est en train de tourner. Vous croyez à ce que je dis? Vous, oui, la je délivrance crois. Votre femme? Oui, je crois. Notez ça très bien, parce que vous venez de rendre témoignage ici. Okay. Voilà. Notez ça très bien, ces paroles de prophète. Je proclame ta délivrance aujourd'hui par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous libérez son ventre maintenant. Tu la lâches et maintenant par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Sors! Allez! Allez! Tu libères son ventre!
par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de l'Éternel se manifeste dans ta vie et sa puissance se manifeste dans ta vie. Sa puissance se manifeste. La gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, la puissante main de l'Éternel se manifeste dans sa vie. La puissante main de l'Éternel se manifeste dans ta vie. La puissante main de l'Éternel, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois. L'esprit parle, il sort de ton ventre. Il parle, il sort de ton ventre. Tu pars, tu pars. C'est fini, elle est libérée. Amen. Soyez bénis. La puissance de Dieu. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la, lâche-la. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Tu vas la libérer. C'est un ordre. C'est un ordre. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Lâche-la. Lâche-la. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Sa vie ne t'appartient plus. Si? C'est ça? Sa vie ne t'appartient pas. Si? Depuis quand tu es dans sa vie? Ah, tu sais pas? Que fais-tu dans sa vie? Tu fais quoi dans ce corps? Que fais-tu dans ce corps? Que fais-tu dans ce corps? Je m'adresse à toi. Tu vas partir? Tu vas partir? Tu vas partir? Tu vas partir. Non. Si. Non. Si. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu vas la libérer au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la. 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 Lâche-la, 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 lâche-la. Tu... Si, si, tu vas la libérer. Elle est à moi. Elle est à toi? Oui. Depuis quand? Depuis toujours. Depuis toujours. Qui te l'a donnée? Je sais. Tu sais pas, mais elle est à toi comment? Elle est à toi comment? Elle est à toi comment? C'est ma femme. C'est ta femme. Mais qui a célébré le mariage? Qui? Elle est ta femme. Elle est ta femme, c'est ça? Tu l'as épousée? Oui. Depuis quand? Depuis quand? Et que fais-tu dans sa vie? Tu as gâché quoi dans sa vie? Tu as gâté quoi et quoi dans sa vie? Tout. Tout, c'est-à-dire? C'est-à-dire? Ses enfants. Ses enfants. Son mariage. Son avenir. Elle devait avoir quel avenir? Brillant. Et tu as gâché ça. Et pourquoi? Parce qu'elle est à moi. Parce qu'elle est à toi. Oui. Et pourquoi? Qui te l'a donné? On me l'a donné. Qui? L'a donné. Qui te l'a donné? Qui te l'a donné? Tu pars maintenant et tu la libères. Qui te l'a donné? Qui te l'a donné? Tu m'attends? Qui te l'a donné? Qui te l'a donné? Le feu consume tes œuvres. Tu m'attends? Le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Non!
si. Le feu consume tes œuvres. Tu vas la libérer dès maintenant. Non. Tu dois la libérer maintenant. Tu dois la libérer maintenant. Sors d'elle. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Oui. C'est Jésus. Au nom de Jésus. Va. Non, elle ne peut pas être à toi. Elle ne peut pas être à toi. Tu m'entends? Elle ne peut pas être à toi. Lâche-la. Cette vie appartient à Jésus. Je suis. Oui, tu es qui? Tu es qui? Qui es-tu? Tu vas la libérer. C'est un ordre. Feu! Lâche-la! Le feu consume tes œuvres. Tu m'entends? Le feu consume tes œuvres. Lâche-la. 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 La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Lâche-la. Ce corps expérimente aujourd'hui la puissance du nom de Jésus-Christ. Son âme expérimente la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va-t'en. Quitte sa vie et libère son mariage. Libère sa fécondité. Libère toute sa vie. Libère sa vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer parce que c'est un ordre. Parce que c'est un ordre. Tu vas la libérer maintenant. Lâche-la. Non. Si, lâche-la. Non. Lâche-la. Tu vas partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je pars. Si. Si, tu vas partir. Tu iras au nom de Jésus. Tu iras au nom de Jésus. Le feu consume tes œuvres. Allez, lâche-la. 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 La puissance de Dieu. La puissance de Dieu consume tes œuvres. Voilà, va-t'en. 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 Je brise ce mariage maintenant. Non. Si tu brises ce mariage, je t'arrache cette vie. Tu la libères et maintenant, par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère son âme, je libère sa vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je proclame ce soir sa délivrance. Si Jésus te libère, si tu iras au nom de Jésus. Laisse-moi prier pour les gens, je vais encore du ciel. D'accord? Votre fille? Oui. C'est votre fille? Comment vous trouvez l'état de votre fille? Est-ce que toi et moi, on ne s'est pas vu? On ne s'est jamais vu, non? C'est par la vidéo que vous m'avez découvert. Oui. Mais c'est la connexion. Tout à l'heure, je priais pour toi. Pendant que je t'imposais la main, l'esprit me révèle que le problème même vient de toi. J'appelais des choses à partir de toi qui s'est déclenché dans la vie de votre fille. Comme on est en pleine caméra vidéo, il y a des choses que je n'ose pas dire, d'accord? D'accord. On va régler ça en caméra. Mmh. On ne s'est jamais vu, hein? Mmh. Et quand je t'ai touché, j'ai su que c'était ta fille. Parce que l'Esprit de Dieu me disait que l'origine du problème, c'est un peu ici. Est-ce qu'on peut me jouer un peu le clavier, c'est important. Jouez-moi un peu le clavier, j'ai besoin de mes huiles. Jouez-moi un peu le clavier, s'il vous plaît. La puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus.
pouvez chanter un peu, s'il vous plaît? Allez, 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 allez
Yes, I'm
Yeah.
Thank you.
Yeah.
parole de marcher sa vie. Je vais ordonner à ta mère de marcher ta vie, qu'elle libère ta vie. Au nom de Jésus-Christ, dis lâche-la, 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 lâche ta vie, lâche-la, lâche-la. Au nom de Jésus-Christ, ma mère, c'est un homme, tu vas la libérer. Thank you.
Thank you.
maintenant. Viens, viens, viens. Là, laisse le pain d'abord. De sa vie, tu pars, lâche-la, quitte sa poitrine et va-t'en, quitte sa poitrine et pars, cette vie ne t'appartient pas, tu m'entends, regarde. Sa vie.
Dégage. Attends. Attends. Tu parles en libérant son foyer. Tu parles en libérant son mariage. Tu parles en libérant ses entraves. Tu sautes. Tu libères sa vie. Thank you.
pendant que nous sommes en train de faire la délivrance. Dans le nom de Jésus. Amen. Les chaînes tombent.
Et les esprits t'abandonnent maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Les esprits lâchent ta vie. Amen. Les esprits te libèrent. Amen. Dans la puissance du air, dans le nom de Jésus. Amen. Là où tu es, je te touche. Amen. Le cancer disparaît de ta vie. Amen. Le mal ne recommande pas. Amen. L'esprit auquel tu étais marié spirituellement, je prononce le divorce. Amen. L'esprit de misère et de pauvreté est détaché de nos amis. Le mal de Dieu t'apprend la restauration. Amen. Là où tu es, le mal part. Amen. Le mal reste au cancer. Amen. Tu pars. Amen. Tu pars. Amen. Par la puissance qui vient dans le nom de Jésus. Amen. Jésus te libère. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je brise les chaînes de l'esclavage. Amen. Je brise les chaînes de la misère. Amen. Je brise les chaînes de la sorcellerie. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. J'expérimente la puissance de la délivrance. Amen. J'expérimente le miracle de Jésus. Amen. Je reçois ton miracle. Amen. Est-ce qu'on peut aimer Jésus? Que Dieu vous bénisse. Soyez restaurés et bénis dans le nom de Jésus. Hier, nous avons eu une cérémonie et vous avez répondu favorablement. Que Dieu vous bénisse. Nous, c'est ce que nous savons faire. Apporter la vie autour de nous. C'est aider les gens à avancer. Nous nous investissons dans les vies. Nous avons plus d'énergie à aider les gens que de les détruire. Nous nous battons pour ça et surtout pour l'enfant. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait cette grâce d'avoir, n'est-ce pas, de créer une fondation où je prends des enfants en charge. Et par la grâce de Dieu, mes collègues de fonds, merci pour ceux qui ont donné. Et ceux qui aussi qui n'étaient pas là, qui voulaient également donner aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous aurez l'occasion, n'est-ce pas, de faire vos dons. La sœur Béatrice est là. Vous pouvez également prendre vos dons parce que là, des gens m'ont vu par inbox, me dit, mais on n'était pas là hier. Qu'est-ce qu'on fait pour aussi les dons? Et aussi, il y aura une suite par rapport à ça. Amen. Il y aura une suite. On vous donnera aussi des rides et tout ça pour que chaque mois, par la grâce de Dieu, vous pouvez soutenir, n'est-ce pas, cette fondation. Voilà. Je vous informe que je l'ai fait à fond propre. Voilà. Je l'ai fait déjà à fond propre. Et si il faut pénaliser la chose, on commence par quelqu'un, ça commence par quelque part. Et si, si on ne le fait pas maintenant, et que, parce que je suis épuisé, nous allons retrouver demain les enfants de la rue. Ce n'est pas mon souhait d'ailleurs. À un moment donné du combat, on a vu Hugues et Aaron qui ont soutenu les mains de Jésus. Et plutôt de Moïse. Moïse était épuisé. Il était épuisé. Il a eu le soutien de Hugues et de Aaron. On a besoin de vous. Nous avons tous besoin de vous pour, n'est-ce pas, aider cette fondation. Voilà, à avancer. Pour ceux qui étaient à Divo, ils savent très bien ce qui se passe à Divo. Ils savent très bien. Pour d'autres personnes, c'est de loin, au travers de vidéos. Mais ceux qui sont arrivés à Divo et qui ont visité l'orphelinat, ils ont eu beaucoup d'amour encore pour moi. Et pour la fondation Prophète Joël Grasso. C'est ce que je sais faire. Voilà, c'est ce que je sais faire. Et je crois que Dieu, n'est-ce pas, vous bénira en retour. Voilà, d'avoir pensé aux gens. Et dans la vie, il faut aider les gens que de les détruire. Je sais tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je ne me prononce pas parce que c'est archi faux. Quand vous avez affaire à quelqu'un, il faut l'affronter. Et moi, je comprends la campagne de dénigrement des œuvres de la sorcellerie. Ça ne peut pas me distraire. Ça ne me distrait ni aujourd'hui, ni demain. Je suis zen dans la tête, je ne me reproche rien et je continuerai mon combat. Voilà. Je continuerai mon combat.
personne ne peut me distraire. Personne. Et ça, je l'ai compris. Parce que j'ai cette assurance, cette paix du cœur. Et ça me permet de comprendre beaucoup de choses. Et je continue le combat jusqu'au bout. Parce que servir Dieu, ça veut dire être persécuté. Servir Dieu, ça veut dire être confronté à des personnes méchantes. Servir Dieu, ça veut dire on va t'éclabousser. On fera tout ce que tu veux. C'est mon geste, mon année, c'est mon temps. Et je traverserai. Parce que c'est ce que je sais faire, aider les gens. Je sais plus aider les gens que de les nuire. Vous faites l'œuvre du diable, continuez de détruire les gens. Mais un jour, j'ai toujours une fin en toutes choses. Et ça, retenez cette date d'aujourd'hui. Je vous, au nom du ministère, au nom de l'alliance qui est devant Dieu, je vous mets, je vous convoque tous devant le tribunal de Dieu. Et vous rendrez compte. Voilà, vous rendrez compte. J'ai une alliance. J'ai une alliance devant Dieu. Vous rendrez compte à Dieu pour les actes que vous aurez posés. Nous, on continuera d'aider les gens. Je ne cède pas à la provocation. Je répète bien, je ne cède pas à la distraction. Être distrait, ça veut dire perdre le fil de sa vision. Moi, je continue mon travail. C'est ça à quoi Dieu m'a appelé. Il m'a appelé à aider les gens. Je continuerai. Vous continuez vos œuvres du diable parce que vous êtes enfants du diable. Et le diable, c'est comme ça, il s'exige. Il y a les œuvres de Dieu. Ce que nous sommes en train de faire, ce qu'on appelle œuvre de Dieu. Donner à manger à ceux qui n'ont pas à manger. Donner, scolariser les enfants orphelins, c'est ce qu'on appelle œuvre de Dieu. Aller insulter quelqu'un sur Facebook, c'est œuvre du diable. Parce que quel est l'objectif que vous voulez atteindre aujourd'hui? Qu'on ferme l'orphelinat, que les enfants se retrouvent dans la rue. Parce que c'est là vos objectifs. Que les enfants qu'on a aidés aujourd'hui se retrouvent dans la rue. Que le prophète Crasso soit vu. Moi, je connais mon appel. C'est pour ça que je ne réponds pas aux imbécilités. Excusez-moi pour l'expression, c'est un peu fort. Je voulais juste finir ma mission. C'est pour ça que je ne me prononce pas. Il y a des choses auxquelles je ne peux pas me prononcer parce que c'est archi faux. Vous brandissez certaines choses. On vous a dit, plus de 5 organes de presse m'ont contacté par rapport à certaines choses. Moi, j'ai donné mes documents. Vous avez fui. Et je connais ceux qui sont à la source de tout ça. Mais bien-aimés, je continuerai mon combat. Amen. Je continuerai mon combat. Voici moi ma version à moi. C'est ma première fois devant vous que je me prononce maintenant sur cette affaire. Je continuerai mon combat. Je n'ai rien à voir à ce qu'ils sont en train de dire. Quand vous reprochez quelque chose à quelqu'un, affrontez-le. C'est tout. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un à faire quelque chose, affrontez-le. Parce que la stratégie aujourd'hui du diable, malheureusement, les réseaux sociaux sont faits pour communiquer. Vous utilisez ça à vos fins. Puisque en vous, il y a des mauvaises choses, c'est ce que vous êtes en train de faire. Nous utilisons des choses pour aider. J'ai toujours aidé. Voilà, j'ai toujours aidé autour de moi des gens qui sont en difficulté. Je continue de le faire. Je vous dis, mon âme n'est pas attristée parce que j'entends. Parce que j'entends. Je vous dis aujourd'hui, j'écoute et je vois ce qui se passe. Mais ça ne me dit rien. Rien. Je suis toujours m'insulte, mais ça ne me dit rien. Parce qu'il y a une fin en toutes choses. La fin viendra. Et c'est pas loin. Et vous allez comprendre la vérité. Voilà. Où beaucoup de personnes tomberont. Sous la puissance de Dieu. Cette fin, elle est bientôt. C'est très bientôt. Amen. C'est très bientôt. Moi, je continuerai de servir l'Éternel. Je continue de combattre les œuvres de la sorcellerie. Je suis rentré dans une région, dans un village où on tuait les gens. Le village a été développé. Voici ce qui sort de moi, c'est le développement. Je suis rentré à Divo, je suis parti avec ma Bible. J'ai construit orphelinat à 27 millions de francs en train d'aider les gens. Voici ce qui sort de moi. Ce n'est pas de la fausseté. La fausseté n'est pas de moi, c'est des bonnes choses. Un homme, il marche, il laisse des traces. Les traces sont là. Vous pouvez aller demander. Les traces sont là. Les traces sont là. Et comme vous savez que vous représentez, parce que chaque année, c'est un système qui se met en place, il faut détruire les gens. C'est votre œuvre. Mais il y a des gens à qui on ne s'oppose pas. Vous allez faire. Vous continuerez de faire. Mais un jour, vous allez tomber. Amen. Amen. Voici ma version des faits. Voici ma version. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui ne cessent de me soutenir, j'ai le moral très haut. Et je vous dis très, très haut. Amen. Je vous dis, j'écoute, je vois, j'écoute tout ce que les gens disent. Mais puisque je ne me reconnais pas dedans, ça fait 3 mois qu'ils sont en train de faire plus que ça. Je connais la source de tout ce qui se passe. Mais ça ne me dit absolument rien.
J'ai la paix du cœur. Mon âme est dans la paix. C'est pour ça que vous me voyez. Je suis dans la joie, je chante, ça ne dit rien. Parce que je le banalise. Je banalise leurs œuvres. Je banalise. Quand on veut régler un problème, c'est pas sur les réseaux sociaux. Tu l'affrontes et puis tu le règles. Tu le règles en face. C'est pour ça que moi, je ne parle pas. C'est pas là-bas qu'on règle les problèmes. Ça se règle face à face. Je suis en train de faire une œuvre. Je continue de faire l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez fortifiés. Amen. Le système que le diable a toujours utilisé, c'est la communication. Et je vous expliquais, c'est la stratégie. Soyez fortifiés, soyez bénis. Merci pour ceux qui continuent de nous soutenir. Merci pour ceux qui continuent de nous aider. Merci pour ceux qui continuent de nous haïr. Parce qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde. Amen. Je suis content que d'autres personnes m'haïssent. Ça m'aide aussi. Voilà, parce que Jésus-Christ même nous haït. Jésus-Christ nous a accusé, ils sont allés le tuer. Voilà, je continue de faire le de Dieu. Personne ne peut m'ébranler. Personne ne pourra m'ébranler. Je vous aime même mes ennemis. Je vous aime, je prie pour vous. Hein. Moi, je continue de prier pour vous. Pour que vous rencontrez Dieu. Et que vous changez de comportement. Amen. Pour que vous rencontrez Dieu. Et que vous changez de comportement. C'est ce qui est à moi. Pour que vous rencontrez Dieu. Parce que vous êtes sur un mauvais chemin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Le prophète vient de faire une déclaration assez signifiante que je crois entre dans les esprits et des cœurs de tous ceux qui savent et peuvent écouter la parole de Dieu. Donc que le Seigneur vous bénisse encore davantage. Maman Mélanie, on n'a pas fini, il reste une minute. On a quelque chose à dire, et dans le fond de la chambre, je voudrais attirer l'attention sur...